Ousmane, c'est bon. Je pense que C'est bon, on on peut est pile commencer? à midi. Oui. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Et bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de Campus France, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire portant sur les écoles de commerce. Donc, c'est l'occasion pour les établissements qui sont présents aujourd'hui, à savoir le groupe Fix, ESG, EM Normandie, Schema Business School, ISC. Donc, ces établissements-là vont nous faire l'honneur de nous faire part de leur offre de formation, des critères de sélection, en parlant également de la reconnaissance des diplômes, mais surtout, des formations qu'ils proposent et qui ont un impact face aux enjeux et aux défis de l'employabilité. Pour ce qui me concerne, je suis Ousmane Diouf, je suis conseiller pédagogique à Campus France. Donc, comme je le rappelais au début, ce webinaire, en fait, s'inscrit dans le cadre de la procédure préconsulaire. Donc, pour rappeler à ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, donc, la procédure préconsulaire concerne en partie les étudiants qui ont une acceptation papier émanant d'un établissement privé ou émanant d'un établissement qu'il a délivré dans le cadre de la procédure Parcoursup. Donc, dès acceptation et dès obtention d'une prescription, ces candidats-là, en principe, peuvent soumettre leur acceptation via la plateforme Études France en allant dans la partie qui leur est consacrée, c'est-à-dire la partie Je suis accepté. Toutefois, c'est une procédure quand même qui est normée, qui est établie selon un calendrier des procédures. C'est-à-dire qu'ils peuvent le soumettre dès à présent, mais il faut juste retenir que les délais de soumission vont du 17 mai au 7 juillet, ce qui est de la rentrée de septembre. Passé ce délai, les candidats risquent de voir leur candidature foreclose. Il est également important de noter qu'une fois le dossier transmis, donc le dossier sera instruit et nécessitera éventuellement un entretien avec un conseiller pédagogique. Et une fois l'entretien effectué, une fois le dossier traité, pour la transmission au niveau du consulat, il faudra impérativement que les établissements qui ont délivré la prescription nous confirment l'acceptation via le mail qu'on transmettra au candidat ou qu'on vous transmettra à vous. Donc voilà de façon très ramassée la procédure préconsulaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, chaque groupe d'établissement va avoir 15 minutes de présentation de leur offre de formation. Après, nous allons avoir 30 voire 40 minutes d'échange avec les questions posées par ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, soit sur l'application Facebook ou via YouTube. Après, il y aura le mot de la fin. Est-ce que ce format-là vous va? Oui. D'accord. Donc, nous allons commencer par le groupe Fix. Vous avez la parole, monsieur Watt. Perdu. Ce n'est plus Monsieur Watt à Fix. Monsieur Watt est passé par Fix, mais il est parti vers d'autres horizons. Moi, je suis Monsieur Méry. Non, monsieur Méry, excusez-moi. Et je vais partager mon écran avec vous tout de suite, comme ça, ça va. Ah. Est-ce que, au niveau de la technique, vous pourriez m'autoriser, en tant qu'animateur, à partager mon écran? Parce que j'ai un message qui me dit que je n'ai pas encore le droit de le faire. Après, je peux commencer à parler. Et pas de souci, je peux faire la présentation sans support, mais c'est souvent plus parlant pour notre auditoire d'avoir, en plus de mes douces paroles, un support visuel qui liste clairement les choses, tant au niveau des programmes, des procédures, des reconnaissances. Donc, si au niveau de votre collaborateur qui gère les droits d'administration, on pouvait me donner l'accès au partage d'écran, ça serait parfait. Ousmane, je vous laisse agir dans l'ombre de cette transmission pour
pour faire le nécessaire auprès de la technique. Agir dans l'ombre. C'est ça, discrètement, envoyer un WhatsApp ou un texto. Non, c'est déjà fait, hein, nous manœuvrons dans ce sens, ne vous en faites pas. Bon, sinon, en attendant, si vous voulez, vous pouvez commencer pour vous entendre. Oui, bien sûr. Alors, du coup, je vais commencer tout de suite. Donc, je suis M. Méry, je pilote le recrutement international chez FIX Education. FIX, c'est une marque qui commence un petit peu à avoir une certaine autorité sur le Sénégal et sur l'Afrique en général. Mais en fait, FIX, ce n'est pas une école. FIX, en fait, c'est le service de recrutement et d'admission internationale d'un groupe de 20 écoles françaises, toutes reconnues par l'État et délivrant des titres certifiés pour certains, visés pour d'autres, et également délivrant des programmes avec le grade de master pour deux de nos écoles. Et on est une structure qui a d'ailleurs des locaux à l'étranger, au Sénégal en l'occurrence, Cité Cœur Gorgui, avec une équipe qui accompagne nos jeunes dans toutes leurs démarches d'admission, d'inscription et toute la démarche préconsulaire jusqu'à la délivrance du visa et l'arrivée en France, dont je transmettrai les coordonnées à la fin. Notre offre de formation, elle est large, elle est vaste, parce qu'elle touche à la fois les écoles de management, mais aussi, on a aussi des cursus dans la communication, dans l'informatique, dans l'agro-management, dans les relations internationales, dans le design intérieur, donc dans beaucoup de choses. Et toutes nos formations, et c'est ce pourquoi on a été conviés par nos amis de Campus France à participer aujourd'hui, toutes nos formations se font en préconsulaire. Donc, comme Ousmane vous l'a dit tout à l'heure, d'abord, l'étudiant candidate à l'école, il s'inscrit à l'école et une fois qu'il a son admission, son inscription à l'école, il peut entamer ses démarches consulaires dans la fourchette de temps qui a été évoquée pour finaliser son obtention de visa. Donc aujourd'hui, FIX, c'est 22 écoles dans 13 villes différentes, des diplômes reconnus, une centaine de programmes au total, à la fois en français, en anglais, du bachelor première année, jusqu'au MBA 2, un nombre important d'étudiants internationaux et aussi un nombre important de partenaires entreprises, que je crois que c'est aussi un point sur lequel vous souhaitez qu'on intervienne, la proximité avec l'employabilité. En gros, que font nos étudiants une fois qu'ils ne sont plus étudiants mais qu'ils sont diplômés? Ben, on met un point d'honneur à les accompagner aussi à l'après-diplôme lors de l'intégration sur le marché de l'emploi. Nos filières donc, de ces 22 écoles, elles sont dans les sciences de gestion, donc école de management, marketing, management, finance, comptabilité, négociation. On a aussi des cursus dans l'entrepreneuriat, dans le digital, les relations internationales, le monde des assurances, l'agro-management, la communication, le management de l'industrie de la santé, le tourisme, l'environnement, le design. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ces choses-là sont présentes dans 10 villes de France. Ça va de Lille à Bordeaux, à Toulouse, à Nou, à Nice, à Lyon, à Grenoble, à Nantes, à Amiens, entre autres, à Montpellier. Et c'est aussi une différence, je pense, par rapport à mes confrères aujourd'hui, c'est que suivant ce que vous voulez étudier ou bien où est-ce que vous voulez étudier, on a très probablement un campus dans la ville où vous souhaiteriez aller. Donc, nos écoles sont les suivantes. Au niveau des grandes écoles de commerce qui délivrent le grade de master, on a l'école IDRAC basée à Lyon et l'école ICD basée à Toulouse. On a aussi une école de management où tout se fait en anglais, qui est le CFAM, qui est basé à Lyon, en lien très, très fort avec les USA. Une école qui est dédiée au développement commercial, à la négociation, qui est l'ICL. On a deux écoles pour les plus matheux d'entre vous, ceux qui aiment les chiffres, avec l'école IGFI et l'école ESAM, qui sont des écoles dans la finance et la comptabilité. On a aussi des écoles qui sont déjà un peu plus spécialisées, une dans l'entrepreneuriat humanitaire, l'entrepreneuriat social, qui est l'école 3A, qui est présente à Lyon, à Paris et à Toulouse. Une école d'entrepreneuriat qui, elle, est davantage liée à la création d'entreprises, à l'innovation, à la vente, au rachat d'entreprises, qui est l'école IFAG, qui est présente sur tous les campus que j'ai cités précédemment. L'école IDREA, qui est dédiée à l'agro-management. En fait, c'est une école de management qui est liée au monde agro-agri et une école de management liée à l'environnement, qui s'appelle l'IET, qui est à Lyon, à Nantes et à Paris. Éventuellement, dans la session de questions, un petit peu plus tard, parce que j'essaie de respecter le temps qui m'appartient, je pourrais revenir, s'il y a des questions sur ces différentes écoles.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que FIGS, c'est aujourd'hui une offre très, très large de formation à différents niveaux, en admission parallèle également. Une offre de formation qui est accessible avec des démarches qui sont 100% à la fois en distance, mais aussi au niveau des admissions en présentiel sur rendez-vous auprès de notre bureau à Dakar, à la Steker Gorgui. FIGS Education, c'est à la fois une recherche d'excellence académique, des diplômes reconnus par l'État, tous, entièrement. Une forte employabilité de nos diplômes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un système de stages et de stages de fin d'études qui sont dans la lignée, je dirais, de la formation purement académique et qui préparent à l'emploi. Et c'est aussi dû au fait qu'aujourd'hui, nos professeurs ne sont pas tous professeurs, mais qu'ils sont surtout professionnels qui viennent partager avec nos étudiants ce qu'eux vivent au quotidien dans leur entreprise. Et donc, du coup, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Ils savent aussi ce que les entreprises, la leur par exemple, recherchent de futurs collaborateurs qui sont en fait nos futurs diplômés. La procédure d'admission, elle est simple, elle est unique. Quelle que soit l'école, le campus, le niveau, la langue d'enseignement, et elle se fait en fait très simplement, donc via notre bureau à Dakar, et l'admission se fait sur dossier et entretien. Donc, première chose qu'on demandera à nos futurs étudiants, c'est soit de coordonner en ligne sur fix-education.com ou bien de se rapprocher de notre bureau local afin d'y déposer des documents qui sont assez classiques, hein, un formulaire de candidature, CV, lettre de motivation, bulletin de notes, copie de diplôme, pièce d'identité. Une fois qu'on a votre dossier, vous ferez depuis notre bureau de Dakar ou bien depuis un autre bureau si vous êtes non-résident au Sénégal, parce qu'on a 10 bureaux aujourd'hui dans le monde. Du coup, vous ferez votre entretien de motivation. On va échanger, vous allez échanger plutôt avec notre jury sur votre connaissance de l'école, pourquoi vous choisissez de partir en France, pourquoi dans notre école, qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous allez faire après. Et très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est sous 48 heures en général, vous aurez la réponse de l'école, toujours via notre bureau de Dakar, votre réponse d'admission. Donc, vous allez recevoir une admission disant, voilà, mademoiselle, monsieur, vous êtes bien admise dans tel programme, pour telle rentrée, dans telle école, dans telle ville. Et ce qui vous revient à faire uniquement après, c'est verser un premier acompte de 2500 euros, environ 1,7 million de francs CFA, sur les frais de scolarité. Donc, ce n'est pas des frais en plus, hein. C'est une partie de vos frais de scolarité que vous versez, une première tranche, avant le visa, qui confirme votre inscription à l'école et qui fait que vous délivrez et également délivrer à Campus France votre attestation d'inscription qui vous permettra, comme l'a dit Ousmane tout à l'heure, de compléter votre procédure Campus France dans « Je suis accepté ». Vous allez télécharger votre attestation d'inscription et dire à quelle école vous allez aller dans quelques mois. Et du coup, suivre après toute la procédure classique Campus France, préconsulaire, et toute la partie visa également avec le consulat. Une fois que vous avez le visa, vous réglez un second acompte de 2500 euros, vous prenez l'avion, vous arrivez en cours et vous commencez votre scolarité comme tout étudiant international, même comme tout étudiant français, parce que vous serez immergé du coup avec des étudiants qui viennent du monde entier, alors essentiellement en France, bien entendu, mais vous serez à la fois international, mais aussi très, très local, parce que voilà, enfin, vous aurez les mêmes cours, vous aurez les mêmes diplômes que tous nos étudiants. Et en plus de ça, on vous aurez le petit bonus d'être accompagné au niveau du logement, de toutes les formalités administratives une fois arrivé en France, parce qu'on sait que c'est compliqué pour vous, qui n'avez souvent jamais voyagé sur les territoires français. Donc, vous serez aussi accompagné pour les écoles et par le service FIGS Education pour toutes vos démarches administratives. Voilà essentiellement pour la procédure. Donc, tous nos étudiants aujourd'hui qui sont intéressés et qui sont situés, quelle que soit leur nationalité, à Dakar, donc, du coup, contactent notre bureau de Dakar au plus 221 77 723 79 deux fois, plus 221 77 723 79 deux fois, ou bien sur info.senegal@fixeducation.com. Voilà, Ousmane. Je pense que j'étais rapide, là. Je n'ai pas été mauvais. Bon, vous avez fait en mode fast-track, hein, c'est bien. Merci beaucoup, M. Méry, de la présentation que vous avez eu à faire. Donc, nous allons laisser la parole à Léa Normandie.
Si j'ai plus tôt, Madame Azot, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Justine Azoté. Je m'occupe du recrutement des écoles du groupe Galileo Global Education. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le groupe Galileo Global Education, puis ensuite vous parler un petit peu brièvement des écoles, des différentes écoles ESG. Et ensuite, j'ai mon collègue Denis Chaumel qui va prendre la parole pour conclure en parlant essentiellement de notre école du web éthique. Voilà, je commence par une présentation de Galileo. Donc, Galileo Global Education est leader européen dans le domaine de l'enseignement supérieur privé et également deuxième dans le monde entier. Voilà, le groupe aujourd'hui compte 45 écoles de référence dans 13 pays du monde, notamment au Sénégal avec l'ISM, dont la réputation n'est plus à faire. Voilà, tout le monde connaît un petit peu l'ISM. Nous avons des écoles dans différents domaines, l'art, la création, le design, le multimédia, le business, le management et aussi la finance. Voilà, donc on forme à peu près 100 000 étudiants par an à qui nous transmettons le savoir-faire et les outils nécessaires pour devenir des acteurs professionnels et compétitifs, surtout sur le marché du travail. Sachez que les étudiants sénégalais font partie du top 3 hein, du nombre d'inscrits de nos écoles. Notre réseau comprend des écoles prestigieuses comme Paris School of Business qui propose des programmes grande école, les cours Florent pour la comédie, Strass, notre école de design, LISA et l'atelier Chardon-Savard pour l'art, l'IICP pour le journalisme et éthique pour le web. Je donnerai la parole à mon collègue, Monsieur Denis Chaumel, qui vous donnera plus de détails sur cette école. Dans le domaine du management du commerce, de la finance et des ressources humaines, nous avons, par exemple, les écoles ESG Finance, ESG CI, ESG RH, ESG Tourisme et l'ESG Luxe. Donc, toutes ces formations-là proposent, toutes ces écoles proposent des formations post-bac à bac plus 5. On a également des écoles dans 7 villes différentes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence. On a des écoles à Lyon aussi. Et ces écoles délivrent des titres certifiés de niveau 5, 6 et 7 reconnus par l'État. On a également des diplômes d'État avec le DCG. Voilà, pour la procédure de candidature, effectivement, pour les étudiants internationaux, c'est pareil. Ils nous envoient leur candidature directement. Je vais à la fin donner mon adresse email à laquelle il faudra adresser la candidature. On vérifie la complétude du dossier. On va également. Alors, il est très important que les étudiants rédigent eux-mêmes leur lettre de motivation en rapport avec la formation demandée. Donc, prenez le temps, si les étudiants m'écoutent, prenez vraiment le temps de bien rédiger la lettre de motivation parce que. Cette lettre-là va refléter en fait le contenu et le projet que vous souhaitez mener à bien. Donc, c'est important. Après, on vérifie effectivement le dossier académique. Hein, et après, s'il y a orientation ou réorientation, on le fait. Puis, on propose un entretien d'admission à ceux qui sont admissibles à distance. Voilà, et à la fin de cet entretien, le jury délibère et l'étudiant reçoit une réponse. Voilà. Et si admis, effectivement, on demande également un acompte de 2500 euros aussi. Une fois l'acompte reçu, on délivre une attestation d'inscription indispensable pour commencer les démarches préconsulaires, d'abord à Campus France, et puis après, continuer les démarches jusqu'à obtention du visa. Donc voilà, brièvement, la présentation des écoles ESG du groupe Galileo Global Education, et je vais laisser la parole à Denis Chaumel. Bonjour, je m'appelle effectivement Denis Chaumel, je suis un des cofondateurs de l'école éthique il y a 20 ans maintenant. Éthique, c'est une école qui forme chaque année plus de 1000 étudiants, globalement dans ce qu'on appelait il y a quelques années les métiers d'Internet. Et donc, il y a 10 ans, 15 ans, il s'agissait d'apprendre à développer des applications web ou des sites. Aujourd'hui, le champ s'ouvre
et recouvre les métiers liés à l'intelligence artificielle, à la réalité augmentée, au marketing digital, à la data de manière générale. La spécificité de cette école, elle est de toujours associer dans nos enseignements trois éléments que sont la technologie, le business et le design. Et il ne s'agit pas d'être généraliste en tout et pertinent en rien. Il s'agit de faire grandir ensemble, comme dans une entreprise, les différents métiers qui concourent à la réalisation d'un produit. C'est-à-dire que c'est vraiment le propre de cette école depuis 20 ans, d'avoir décloisonné. Et nous, on considère que c'est un peu un pari pascalien, on va dire, de demander à quelqu'un de 17 ans ce qu'il a envie de faire comme métier dans 17 ans de formation qu'il n'a pas encore fait. Et donc, la seule adressage, c'est il est deux, d'une part, un environnement autour des nouvelles technologies, deux, le choix d'une école d'excellence. Éthique est aujourd'hui en tête de la plupart des classements, que ce soit les classements sectoriels autour des métiers et des nouvelles technologies, mais c'est aussi désigné comme la meilleure licence en informatique, comme la meilleure licence de marketing digital, etc. etc. Et l'école au monde qui a reçu le plus de récompenses en design. On ne savait même pas, c'est les gens d'Awards qui nous ont contactés pour nous le dire. La clé de ça, c'est justement de décloisonner et de faire travailler ensemble la technologie, l'optimisation, le marketing digital et le design. Et au sein de chaque promo, à travers des stages qui ont lieu tous les ans, puis une fin de cursus qui a lieu en alternance, les uns et les autres développent au fur et à mesure des expériences et des stages, leur propre expérience, et qui va effectivement, à la fin, ils ont bien un métier spécifique. On est dans des métiers en très forte tension. Pour vous donner un chiffre qui est absolument incroyable, il y a en France 3000 créations de postes dans le digital toutes les semaines. Il y a 3000 créations de postes toutes les semaines. Or, nombre de ces postes mettent les entreprises en difficulté pour recruter parce qu'ils ont en face d'eux des étudiants qui sont formés dans des filières, on va dire, antérieures, qui sont très cloisonnées de l'informatique pure ou du marketing général ou du design tel qu'on le faisait à ma génération. Et elles ont une grande difficulté à trouver des étudiants qui soient formés sur des méthodes agiles, sur des choses comme ça. La digitalisation des entreprises, dont on parle beaucoup en ce moment, la digitalisation du monde, ce ne sont pas seulement des compétences techniques, c'est bien plus large que ça, des façons de travailler, ce qu'on appelle des méthodes agiles, c'est des nouveaux métiers comme tous les métiers autour de product owner, product designer et des choses comme ça. Et donc, c'est à chaque fois des approches décloisonnées. Pour être en tête de tous ces classements, la recette est très simple. On y travaille souvent beaucoup, avec une pédagogie où il y a beaucoup de projets. C'est très professionnalisant. Toutes les associations de l'école n'ont voix au chapitre que si elles sont professionnalisantes. D'accord ? Donc, il y a un incubateur géré par des étudiants, une newsroom gérée par des étudiants, un département d'innovation géré par des étudiants, une junior entreprise gérée par des étudiants. Et nous accompagnons ces structures et ces associations seulement dans la condition où elles les emmènent à aller plus loin dans leur professionnalisation. Nous avons éthique un seul établissement en dehors de notre grand campus en bordure de Paris qui est à Bangalore en Inde, parce que comme vous le savez tous, Bangalore c'est aujourd'hui la fabrique d'ingénieurs du digital. Le CEO de Microsoft vient de Bangalore, le CEO d'Apple vient de Bangalore, et donc on a conclu que c'était important d'avoir un siège là-bas. Effectivement, on est en train aujourd'hui de monter de plus en plus de conférences communes avec les étudiants indiens et de projets en commun. On a évidemment chaque année un petit peu plus d'étudiants qui viennent de l'international. Le Sénégal est, au même titre qu'à Galileo, un des pays les plus représentés. Notre enjeu à nous, ce n'est pas d'avoir des dizaines et des dizaines d'étudiants.
c'est d'avoir les quelques étudiants qui ont envie d'un parcours d'excellence, qui savent qu'ils veulent travailler dans un domaine autour du digital et qui sont attirés par une structure à forte professionnalisation. Forte professionnalisation, ça ne veut pas dire qu'on se cantonne à des apprentissages techniques, puisqu'il y a dans nos enseignements de la philosophie. On considère que les gens qui aujourd'hui sont en maîtrise des technologies ont une très forte responsabilité sur les années à venir, une responsabilité environnementale, une responsabilité sociale, et en plus de cette très forte technicité qui fait la renommée de l'école, il y a des enseignements de culture générale, évidemment, de qualité de l'écrit. On insiste beaucoup sur la qualité de l'écrit, parce qu'à un moment, un recruteur, une recruteuse, une responsable de projet, les équipes avec lesquelles on travaille en ce moment, avec lesquelles on en permanence co-écrit les programmes, c'est Orange, c'est Wedding, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est des licornes françaises et des plus grosses sociétés au monde d'objets connectés liés à la santé, qui permettent d'avoir des pèse-personnes connectées, qui permettent d'avoir des trackers de sommeil, qui permettent d'avoir des montres qui font aussi tout un tas de bilans santé. Voilà. On travaille avec ces gens-là sur l'écriture de nos programmes et sur la mise en place de partenariats, de stages et de partenariats et d'alternance. Et donc, et je terminerai avec ça pour ne pas moi non plus empiéter sur le temps de parole des uns et des autres, pour dire que nous avons au sein de l'école une association des étudiants internationaux en disant on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne sera jamais au bon endroit par rapport aux besoins réels. On l'a vu par exemple pendant cette période de confinement, il y avait des sujets que nous avions mal adressés, et donc il y a eu une association d'étudiants internationaux qui a pour vocation l'accueil des étudiants, leur insertion au sein de l'école et leur insertion dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au fil des ans que beaucoup de ces étudiants sénégalais, béninois, du Maghreb également, avaient beaucoup de timidité pour aller dans des meetings, dans des incubateurs comme Station F ou comme des choses comme ça, et n'osaient pas trop sortir en fait de leur résidence étudiante ou de leur logement. Et donc il y a une association au sein de l'école, encore une fois menée par les étudiants, supportée par l'école, qui a pour but vraiment leur insertion au sein de l'école et au sein de la scène digitale française. Voilà, et le reste, je répondrai aux questions en direct tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Non, oui. On ne vous entend pas, monsieur Diouf, vous avez le micro. Merci beaucoup pour ces éléments d'information. Donc, tout à l'heure, il y aura des questions dans ce sens. Donc, je pense que vous allez pouvoir apporter des éclairages. Nous allons laisser la parole à monsieur Ismaël Awad pour nous parler de son groupe d'établissement. Monsieur Watt, vous avez la parole. OK, d'accord. Bon, merci beaucoup. Donc, je vais vous... merci pour l'invitation. Je vais vous parler du groupe ISC Paris, une école qui a été créée en 1963. Juste avant que vous ne puissiez vous ne continuer, vous avez la possibilité de partager l'écran, hein, monsieur Watt. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que là c'est bon? Là, vous voyez? D'accord. Oui, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc là, on parle de reconnaissance, en fait. Donc, du coup, en fait, l'ISC, c'est une école qui est reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui délivre un diplôme un grade de master. Historiquement, c'est une école qui est plutôt une école post-prépa où les étudiants y intégrés après un bac, après en fait 2 ans de classe préparatoire pour faire le programme grande école sur 5 ans. Depuis peu maintenant, il y a le programme bachelor qui se fait sur 3 ans, qui est aussi visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également aussi un bachelor sur 4 ans, un peu calé sur le modèle anglo-saxon qui est un BBA, Bachelor Business Administration. Également, nous avons des programmes master, MBA et DBA, mais nous allons voir ça dans le détail tout à l'heure.
Donc, en fait, en termes de reconnaissance, donc, il y a ICSB qui est une reconnaissance internationale. L'école s'est dotée de cette reconnaissance depuis 2007 et passe depuis 2020. Et AMBA, qui est également une reconnaissance internationale, en plus de la reconnaissance franco-française depuis aussi 2019. Donc, l'école est positionnée aujourd'hui dans le top 100 des meilleures business schools, dans le top 50 en Europe et dans le top 25 des meilleures business schools en France. Donc, en fait, sur l'étudiant nous a classé dans le top 15 des meilleurs bachelors en France. En termes de, on parle d'ISC Paris, mais c'est deux campus. Aujourd'hui, on a un campus à Paris et un autre campus à Orléans. Donc, pour ceux qui sont intéressés à faire des études en province, notamment les étudiants qui viennent d'avoir le bac et qui ne souhaitent pas forcément aller dans de grandes agglomérations comme Paris, ils auront le choix parce que quelquefois, les parents peuvent souhaiter aussi que les étudiants plus jeunes puissent aller en province. Donc, on a un campus aussi à Orléans qui est adapté à ce genre de public. Donc voilà, Paris 17e, donc ça c'est le campus de Paris. Alors, l'ISC, c'est une école, mais avec plusieurs spécialisations, avec la possibilité en fait d'intégrer en post-bac, admission à partir de bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5. Donc en fonction de votre niveau d'études, vous avez la possibilité d'intégrer les programmes, en fait, l'ensemble des programmes de l'ISC. Donc quelqu'un qui est... vient d'avoir le bac, peut intégrer soit le bachelor en 3 ans qui est visé par l'État, soit le BBA qui se fait en anglais à Paris en première année. Quelqu'un qui a un bac plus peut intégrer soit le bachelor 2 sur 3 ans ou le BBA 2 en anglais. Quelqu'un qui a un bac plus 2 peut intégrer le bac plus 3 BBA ou le bachelor, ou le bac plus 3 BBA. Donc, en fait, et également le programme Grande École. Parce que, comme je l'ai dit, historiquement, le programme Grande École est un programme post-prépa. Donc, les étudiants y intègrent après une prépa de 2 ans. Donc, quelqu'un qui a un bac plus 2 au Sénégal peut effectivement intégrer la première année du programme Grande École. Donc, pour quelqu'un maintenant qui a un bac plus 3 au Sénégal, une licence validée, il peut soit faire le BBA qui est en anglais, si son niveau d'anglais est correct, et obtenir le BBA en 4 ans, ou intégrer le programme Grande École de l'ISC Paris en bac plus 4, en master 1, ou faire un master of science, donc c'est des masters spécialisés. Donc on a soit une intégration en bac plus 4 ou en bac plus 5. Quelqu'un maintenant qui a un bac plus 4 ou en bac plus 5 peut intégrer nos masters spécialisés et pas forcément le programme Grande École. Parce que pour intégrer le programme Grande École, il faudra au minimum faire 2 ans pour obtenir le cadre de master, en fait, qui est la reconnaissance de sortie à l'issue de ce programme-là. Donc, plusieurs spécialisations en ce moment. Donc, il y a le bachelor, en fait, sur 3 ans, une formation globale. Pas de spécialisation, mais plutôt deux options. On peut faire plutôt tout ce qui est finance, tout ce qui est marketing, tout ce qui est marketing de luxe, et plusieurs maintenant spécialisations dans le programme Grande École et les Master of Science. Donc, il y a tout ce qui est stratégie commerciale, tout ce qui est marketing digital et business, tout ce qui est aussi sport, entrepreneuriat, management, en fait, modélisation des technologies de l'information, tout ce qui est en fait supply chain, logistique, expertise juridique et fiscale, gestion patrimoine, audit contrôle et finance. Et là, la spécialité en fait pour l'audit contrôle et finance est très intéressante dans le sens où ça donne la possibilité de valider le programme Grande École visé grade de master de l'ISC Paris et en même temps valider partiellement en fait 3 crédits sur 5 du diplôme supérieur de comptabilité générale. Donc, en général, les étudiants qui finissent avec cette spécialisation à l'ISC Paris ont un double diplôme. Un diplôme déjà de l'ISC Paris, en fait, grande école visée ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et en même temps, un diplôme aussi de public du DCC. Donc ça, c'est quand même un atout majeur et la possibilité, effectivement, en fin d'année, pour ceux qui ont commencé en formation initiale, d'avoir aussi une entreprise d'accueil, qui soit
en stage alterné ou également en alternance. Et là, ça permet de préciser effectivement l'employabilité qui est un des aujourd'hui sujets de ce webinaire. Donc voilà pour cette spécialisation-là. La possibilité maintenant de faire des cours soit en français ou en anglais. Et dès la première année aussi, le programme est aménagé et adapté aussi aux internationaux. Parce qu'en fait, à l'ISC Paris, les cours se font soit le matin, soit l'après-midi. Donc, ça donne la possibilité aussi de pouvoir aussi, comme nous tous, en début d'intégration, quand on est parti étudier en France, on a aussi eu un peu pour soulager les parents le besoin de pouvoir aussi travailler partiellement pour pouvoir un peu soutenir les parents à ce niveau-là et développer une certaine autonomie et en même temps développer aussi une expérience aussi alliée pratique et théorique. Donc, il y a la possibilité aussi, quand on est allié séparé, d'avoir aussi un contrat à temps partiel. Là, la législation française le permet aujourd'hui. Vous avez la possibilité de pouvoir travailler 20 heures par semaine. Donc, du coup, les études sont aménagées aussi dans ce sens-là. Donc, une dimension académique, en fait, qui vous permet d'avoir soit une formation qui se veut généraliste, avec des options, notamment en logistique, comme je l'ai dit tout à l'heure, en banque et finance, en marketing et commerce. La possibilité aussi de faire pour le bachelor sport-études, mais plutôt orienté en fait foot. Donc, pour ceux qui sont d'un très bon niveau de foot, il y a la possibilité aujourd'hui d'être accompagné par des professionnels pour que les personnes puissent intégrer en fait un club de foot de haut niveau. Là, cette année dernière, on était sur une cohorte de 12 personnes qui ont été accompagnées dans ce sens et qui ont suivi le bachelor. Et donc, c'est la première année qui avait été ouverte dans ce programme-là. Cette année, on a une vingtaine de places qui est ouverte dans le cadre de ce partenariat-là, qui permet d'allier à la fois le sport de très haut niveau en foot et en même temps de suivre aussi une école de commerce de haut rang et de pouvoir aussi avoir son diplôme en fin de cursus ou d'intégrer un club de renommée en France. Voilà, donc du coup, après, il y aura simplement un double test, à la fois un test académique pour la partie bachelor et un autre test aussi pour tout ce qui est sport, mais orienté effectivement foot. Voilà, donc non master spécialisé, on a un master sur un an ou sur deux ans. Les procédures de candidature, c'est pareil, en fait, un peu comme l'a annoncé nos collègues qui m'ont précédé au niveau de la présentation. Donc, c'est un entretien, en fait, de motivation, un dossier. Le dossier se fait exclusivement en ligne sur le site de l'ISC Paris. Et là, vous choisissez votre campus, soit sur le campus de Paris ou sur le campus de Orléans, en fonction des programmes qui sont délivrés. Et à l'issue de cela, en fait, chaque mois, il y a deux sessions d'entretien avec un jury souvent animé par des profs. Et si votre dossier est complet, donc vous êtes convié à la session d'entretien pour qu'on vous donne une réponse en général dans les 48 heures à l'issue de l'entretien. Donc, la prochaine session qui est programmée, et les deux prochaines sont le 12 mai et le 27 mai. Mais il faudra au préalable, en fait, 48 heures avant, boucler sa candidature, c'est-à-dire que pour la session d'entretien qui aura lieu le 12 mai, il faut que les dossiers soient finalisés au plus tard le 10 mai et vice-versa le 25 mai pour la session du 27 mai. Donc là, on parle aujourd'hui d'employabilité et sachez qu'en fait, nous, à la sortie, 85% de nos étudiants sont placés avec un niveau de salaire d'entrée qui est à environ proche de 41 000 euros. 41 000 euros en CFA, je ne sais pas comment ça donne, il faut qu'on le calcule, mais c'est quand même assez correct et ça correspond à peu près à ce qu'on peut voir quand on fait ce type d'école. Donc, effectivement, il y a un investissement de départ,
mais c'est un investissement qui est aussi rentabilisé par la fin parce qu'il y a, il y a tout un tas d'accompagnement. Donc, 41 000 euros, ça fait 26 millions. Donc là, on parle de salaire annuel. Donc, il y a une entreprise qui vous accompagne avec des sessions d'entraînement, de training, des accompagnements pour la recherche de stage, de CV, préparation aux attentes du monde de travail. Donc, il y a tout ce dispositif-là qui est mis en place tout le long du cours scolaire pour vous permettre aujourd'hui de pouvoir intégrer le marché de l'emploi dès la sortie de l'école. Donc, pour le Sénégal, moi-même, j'y suis partiellement installé. Moi, j'ai mes contacts, vous les voyez là. Alors, vous avez mon numéro du Sénégal, c'est le 78 106 59 58. Vous avez la possibilité aussi de me rencontrer parce que j'y suis actuellement jusqu'à mi-août. Vous êtes pour vous accompagner dans tout ce qui est procédure aussi de candidature, d'admission, d'inscription, jusqu'à l'obtention de votre visa et intégration au niveau de l'ISC Paris. Nous sommes aussi présents à Sacré-Cœur. Nous avons des bureaux sur place. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir avoir un accompagnement personnalisé tout au long de votre procédure d'inscription. Vous avez la possibilité aussi, moi, de me contacter ou de contacter aussi une de mes collègues qui travaille aussi avec moi au sein du bureau de Dakar, qui est joignable aussi au 77 464 82 51. Donc, du coup, là, c'est toute la partie en amont qui est la partie inscription, accompagnement, jusqu'à l'obtention de visa. Une fois que vous obtenez maintenant votre visa, on ne vous lâchera pas. On vous accompagnera aussi tout ce qui est volet logement, tout ce qui est aussi intégration au niveau de l'école, parce qu'il y a un service international dédié pour accompagner les étudiants internationaux tout le long du cursus. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions tout à l'heure, ce sera un plaisir d'y répondre. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est, on parle d'ISC Paris, mais on n'est pas forcément que focalisé sur Paris. On a un campus à Paris, mais effectivement, on a aussi un autre campus qui est à Orléans, avec la possibilité aussi de suivre beaucoup, enfin, une multitude de programmes. Que ce soit bachelor, que ce soit sur le programme d'âme d'école, que ce soit sur les masters spécialisés. Et j'allais oublier, on a aussi une formation qui est destinée aussi à tout ce qui est management des industries de la santé, qui est destinée aux professionnels du secteur de la santé, les pharmaciens, les infirmiers, voilà, à toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc, c'est un master qui est accessible à partir de Bac plus 3 pour 2 ans de formation ou Bac plus 4 pour 1 an. Donc, voilà. Voilà, en gros, donc, je pense que je vais laisser la parole à l'intervenante. Merci beaucoup, Monsieur Watt, pour ces éclairages sur les contours de l'offre de formation. Dans un souci d'équilibre, hein, Monsieur Méry, si vous aviez des slides à passer, vu que lorsque vous l'aviez souhaité, ce n'était pas possible. On ne vous entend pas, Monsieur Méry. Là, vous m'entendez? Là, je vous entends. Hein. Ah, très bien. Du coup, est-ce que, Ismaïla, est-ce que tu peux du coup départager ton écran? Tout à fait. Ok. Par contre, très rapidement, pour un instant. Non, deux minutes. Madame Azot également. C'est bon, mon cher. Merci beaucoup. Hop. On est rapide. Hein. Ah, voilà. Tac. Vous nous voyez. Donc, pour venir. C'est bon, ça s'affiche. Je pense que ça s'affiche bien là. Parfait. Oui, pour répondre les différentes filières de formation dans lesquelles on évolue. Donc, les sciences de gestion, l'entrepreneuriat, les relations internationales, l'informatique digitale et l'assurance. Je vais même davantage vous montrer, donc, d'une part, les différentes villes où on est basées en France et les logos des écoles, parce que je pense que certains internautes, ça devrait
ça devrait leur parler. Donc, sur les programmes d'école d'IDRAC, l'ICD, sur le commerce international avec des cours 100% en anglais, le CFAM, l'ICEL sur le business développement, pour les amis des chiffres, l'IGFI et les AM dans la finance d'entreprise, la comptabilité, la préparation au DSCG et au DCG. Les écoles d'entrepreneuriat à la fois humanitaire et sociale à 3A, tout ce qui est à l'humanitaire, aux ONG, aux pays en voie de développement, l'IFAG pour la création d'entreprise, l'IDREA pour l'agro-management et l'IUT pour les métiers de l'environnement. Et hop, à nouveau, une dernière minute. Donc, la procédure sur un, première chose à faire pour nos futurs étudiants, choisir leur école, leur programme, leur campus. Déposer auprès de nos bureaux, de nos collaborateurs à la Steger Gorgui, donc leur dossier complet, passer l'entretien au sein même de notre bureau, sous 48 heures avoir leur attestation d'admission, effectuer un premier règlement d'acompte de 2 500 €, et après bénéficier de l'aide à la fois du bureau en France et aussi de nos écoles, pardon, du bureau au Sénégal, excusez-moi, et de nos écoles en France et du service dédié qu'on a chez Fix Education pour l'accompagnement à l'arrivée en France, à l'installation, à l'intégration, à la rencontre des étudiants sénégalais déjà présents sur nos campus et au départ, au début de leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. Voilà, merci beaucoup de m'avoir rendu la parole. Merci beaucoup, monsieur Méry. Madame Azot, est-ce que vous souhaiteriez faire passer des slides? Parfait. Je vais donc. Hop. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça fonctionne? Oui, très bien. Donc, très rapidement. Oui, rapidement, oui. Donc là, nous avons Galileo Global Education France. Voilà, on a là les écoles du groupe ESG, l'ESG Finance pour tous les métiers de la finance, RH, l'ESG Sport, le SG, tout ce qui est commerce, marketing, etc. Le MBE-ESG qui est accessible à partir du Bac plus 3, parce que ce sont des formations, des masters spécialisés. On a Paris School of Business qui propose des programmes grande école, dont je parlais tout à l'heure, et l'IICP, l'école de journalisme et de création. Voilà. Ensuite, on passe à l'art. Ici, on a donc les cours Florent, hein, voilà, qui a une bonne réputation à l'international. CLCF, cinéma, l'IESA, art et culture. On a l'atelier Chardon-Savard, Digital Campus pour tout ce qui est digital, éthique pour les métiers du web. Denis nous a fait une présentation détaillée tout à l'heure. L'Institut culinaire de France, tous ceux qui veulent apprendre à faire de la pâtisserie, etc. L'IPM, c'est une école de maquillage. LISA, on a LISA Mode et LISA Architecture et Strat. Voilà. Ensuite, nous sommes implantés dans toutes ces villes-là, donc Rennes, Nantes, Tours, Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Aix-en-Provence. Et je vais terminer par Paris. Vous voyez là, par exemple, toutes nos écoles sont vraiment en plein cœur de Paris, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Madame Azot. Nous allons donner la parole à Madame Clarisse Essa de M Normandie. Madame Essa? Issa. Oui, bonjour tout le monde. Issa, oui, c'est ça. Je voudrais bien, Justine, si tu veux bien enlever le partage. Merci. Je vais partager mon écran également. Bon. Arrêtez mon partage. Là, c'est bon. Merci. Donc, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Donc, je m'appelle Clarisse Issa et je suis la représentante à Dakar de l'EM Normandie Business School, qui est une école de management.
Donc, c'est une école avec plusieurs campus, comme vous pouvez le voir, principalement en France et en Normandie, donc avec Le Havre et Caen. Le Havre, c'est vraiment le campus principal sur lequel la plupart des étudiants internationaux se retrouvent. Mais on a également un campus à Paris, à Dublin et à Oxford. Donc, la répartition des campus se fait vraiment en fonction des programmes dans lesquels vous postulez. Pour faire une présentation rapide des différents programmes qu'on propose, tout d'abord, il y a le Bachelor en Management International. C'est une formation en 3 ans, accessible à partir du bac, ou alors accessible directement en 3e année pour les étudiants qui ont un bac plus 2. Donc, le Bachelor en Management International, c'est une première année, tronc commun, avec vraiment les fondamentaux en gestion, toutes les matières liées au monde des entreprises. La 2e année, c'est une année vraiment d'internationalisation. Nos étudiants partent étudier dans une des 200 universités partenaires de l'école. Et la 3e année, c'est la spécialisation. Pour cette rentrée, pour l'instant, il y a 2 options au choix, soit commerce international et logistique qui est en français ou international business qui est en anglais. À terme, d'ici la rentrée prochaine, il y aura en tout 6 spécialisations possibles. Donc, il y en aura également dans le digital, dans le marketing, etc. Mais pour cette rentrée, c'est ça. Donc, c'est un programme qui est possible aussi bien en anglais qu'en français. Ensuite, nous avons le programme Grande École. Donc là, il est accessible à partir de Bac plus 3. C'est un diplôme visé Bac plus 5. Avec une première année tronc commun, plus une majeure au choix, supply chain, marketing ou finance. L'année de césure entre les 2 années qui est facultative. Et une 2e année où vous pouvez étudier dans l'une de nos 18 spécialisations au choix. Donc, j'ai mis quelques exemples ici, surtout des formations accessibles en Master 2 en français. Donc, vous avez par exemple audit et finance d'entreprise, entrepreneuriat digital, marketing, communication et ingénierie des produits agroalimentaires, supply chain logistique et innovation, stratégie de développement et territoire, stratégie digitale et innovation, stratégie marketing et développement commercial. Donc là, c'est vraiment un cycle de master en 2 ans, accessible à partir de Bac plus 3, que vous pouvez faire aussi bien 100% en anglais que 100% en français. Ensuite, nous avons les Master of Science et Master spécialisés. Donc là, c'est des formations accessibles à partir de Bac plus 4 ou Bac plus 5. Les MSc sont 100% en anglais et les masters spécialisés sont en français. Je vous ai mis ici sur la slide les exemples de masters spécialisés, donc en français, que vous pouvez faire à partir de Bac plus 5 ou Bac plus 4 avec 3 années d'expérience au moins. Donc, vous voyez, on en a dans des domaines logistique, supply chain, ressources humaines, en marketing et également une en stratégie de développement et territoire. Ensuite, pour ce qui est de la procédure d'admission, donc pour tous les programmes que je vous ai présentés, la procédure, en fait, c'est une admission sur dossier et entretien de motivation. La première chose, c'est une candidature en ligne, donc un formulaire en ligne à remplir. Donc, c'est juste, vous remplissez le formulaire, vous allez devoir joindre un certain nombre de pièces d'identité, notamment CV, lettre de motivation, bulletin scolaire, preuve d'identité. Normalement, il y a 50 euros de frais de dossier, mais à ce stade de l'année, nous les avons retirés. Et éventuellement, 1 ou 2 lettres de recommandation. Pour les programmes en anglais et pour le PGE, nous demandons également un test d'anglais, par exemple un TOEIC ou un TOEFL. Si vous n'avez pas de test d'anglais, si vous n'avez pas la possibilité d'en passer un, nous pouvons aussi vous faire passer notre propre test. Donc, après évaluation de votre dossier par notre jury, vous aurez un entretien de motivation par Skype qui se fait avec un des professeurs des programmes. Donc, si vous avez postulé pour un programme 100% en anglais, bien entendu, l'entretien se déroulera en anglais, sinon en français. Et ensuite, on vous envoie le résultat, le mail d'admission par mail, et vous aurez 15 jours pour verser l'acompte qui confirme vraiment la place dans le programme. Donc voilà, c'est un processus vraiment assez simple et rapide. Pour ensuite, tout ce qui est justement la procédure avec Campus France et le visa. Donc moi, je suis basée à Dakar et j'accompagne les étudiants pour toutes leurs procédures. Pour ce qui est des débouchés, donc comme vous l'avez vu, on a des formations dans les domaines tels que la logistique, le supply chain, les finances, le marketing, les ressources humaines.
Donc, je vous ai mis quelques exemples, en fait, d'alumni sur la zone Afrique. Donc, on a des étudiants qui viennent de Côte d'Ivoire, de Cameroun, du Gabon, du Sénégal, du Nigeria et beaucoup d'autres pays. Et là, vous avez quelques exemples d'étudiants qui sont diplômés de l'année dernière ou de l'année précédente et les postes qu'ils occupent aujourd'hui. Donc, ça vous donne une bonne idée des débouchés qu'on peut avoir après avoir fait un diplôme à EM Normandie. Vous voyez qu'on en a dans les domaines finance, auditeur à KPMG, comptable à PNB Paribas, aussi dans le domaine de la logistique, gestionnaire des flux maritimes chez CMA-CGM, et aussi dans le domaine commercial marketing, responsable du développement commercial à Philip Morris. Voilà, donc c'est vraiment une liste non exhaustive des postes que vous pouvez avoir. Mais comme c'est concret, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Donc après, pour les contacts, du coup, je suis basée également à Dakar. J'ai mon bureau qui est au niveau de la BDN, près de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Ici, vous avez donc mon adresse mail et mon numéro de téléphone WhatsApp sénégalais. Vous avez également le site de l'école, si vous voulez regarder plus en détail les programmes. Donc, il n'y a pas de souci pour me contacter en direct, pour prendre rendez-vous. Voilà, je pense qu'après, je serai disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Madame Issa. Merci. C'est bon, vous avez fini? Merci beaucoup. Juste avant de passer à la série de questions-réponses, donc j'avais trois questions en fait à poser à Monsieur Méry, Madame Azot et même à Madame Issa. Monsieur Ismaël Ouad a eu à nous présenter en fait tout ce qui est certification et visa de l'offre de formation. Il y a quand même des candidats qui souhaiteraient avoir en fait des réponses par rapport à l'offre, à vos offres de formation. Monsieur, alors, vous avez oublié Schema. À Schema, excusez-moi. Donc, on va passer d'abord à Schema avant d'en arriver à la question-réponse. Excusez-moi, hein, Madame Agnouvi. Agnouvi, c'est bien ça. Agnouvi Nassouni de l'établissement Schema. Voilà, vous avez la parole, Madame Agnouvi. Alors, je vais partager donc mon écran. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, je crois que vous voyez tous mon écran. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Oui, Nuji, c'est bon, on voit. C'est top. Okay. Alors, merci. Donc, Schema Business School at Home Worldwide. Donc, vous êtes vraiment à la maison partout dans le monde. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce que Schema Business School, bien qu'étant une école de commerce française, on est une école qui se veut être globale. Aujourd'hui, Schema, donc, qui a été créé en 2009, a été créé donc, de la fusion de deux écoles françaises qui sont l'ESC Lille et donc, le CERAM, donc, qui ont fusionné en 2009 pour donner l'entité Schema. Hein. Et aujourd'hui, Schema, donc, c'est trois campus en France, Lille, Paris et à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, à côté de Nice. Mais c'est aussi des campus internationaux. Donc, Schema a une présence internationale avec des campus en propre, un en Chine, à Suzhou, un autre campus à Raleigh, aux États-Unis, donc dans l'État de Caroline du Nord, un campus au Brésil, à Belo Horizonte, et un campus à Cape Town, en Afrique du Sud, donc plus précisément à Stellenbosch. Hein. Donc, ça vous fait sept campus dans le monde au sein desquels vous pourrez étudier en intégrant Schema Business School. À côté de cela, Schema a aussi un laboratoire de recherche en intelligence artificielle au Canada, à Montréal. Donc, c'est ce pourquoi, c'est dans ce sens, en fait, qu'on dit de Schema que c'est un établissement global. La mission, en fait, de Schema, c'est de former les talents de demain, c'est de former la jeunesse d'aujourd'hui à devenir, en fait, des talents responsables qui s'ancrent vraiment dans des logiques de développement durable, qui soient sur des logiques entrepreneuriales, qui soient aussi très multiculturelles et mobiles.
D'où justement l'importance de notre réseau global et qui est renforcé aussi par donc, un 130 universités partenaires dans le monde entier. Donc, chaque année, à Schema Business School, nous accueillons autour de 9000 étudiants, donc sur la totalité de nos campus. Et ces 9000 étudiants sont représentés par 122 nationalités différentes, pour vous dire l'aspect multiculturel, en tout cas, de nos promotions. Et d'ailleurs, pour parler donc des nationalités, le Sénégal figure également dans le top 5 de nos nationalités d'accueil à Schema Business School. En tout cas, nous recevons des étudiants qui viennent vraiment de partout. L'important pour nous étant de vous permettre justement ce brassage multiculturel-là et que vous puissiez apprendre les uns des autres. Voilà. Donc, 122 nationalités qui sont représentées par nos étudiants. On a aussi donc 170 professeurs qui vont vous encadrer hein, tout au long de leur cursus. 50% de ces professeurs-là aussi sont internationaux, justement pour continuer à vous délivrer cette connaissance-là globale. Et sachez également que parmi ces 170 professeurs, en fait, 50% de ces professeurs sont des académiciens et 50% sont des professionnels. Donc, l'objectif étant pour vous de vous donner en fait les outils vous permettant en tout cas d'améliorer votre intégration du marché de l'emploi. Voilà. Donc, fort justement de son histoire et de l'historique du CERAM, de l'ESC, aujourd'hui, Schema, c'est 48 000 diplômés qui sont présents dans le monde entier et 2500 entreprises partenaires pour vous accompagner lors de vos stages ou même, encore une fois, au moment de votre insertion professionnelle. Donc, Schema Business School aujourd'hui, c'est un établissement qui est multi-accrédité. Donc, on a les accréditations EQUIS, ACSB, IMBA, qui sont donc reconnues sur le plan international. On a également reconnu donc, par la conférence des grandes écoles. Et on est un établissement d'enseignants supérieurs d'intérêt général. Donc, on est une association, ce qui veut dire aussi qu'en fait, à Schema Business School, tous les bénéfices qui sont réalisés sont réinvestis dans la mise en place d'infrastructures, justement, pour vous, pour vos étudiants, pour améliorer, en tout cas, vos conditions d'études. À Schema Business School, on va accompagner donc, les talents tout au long de leur carrière, donc, que ce soit du post-bac, avec des programmes tels que les programmes SDM Global BBA, avec des programmes un petit peu plus, des programmes master, j'ai envie de dire, donc le programme grande école qu'on ne présente plus, c'est le programme qui font un peu la reconnaissance de Schema Business School. On a également aussi nos programmes two-year MSI, nos Master of Science et nos Masters spécialisés. Donc, on va accompagner également, si jamais il y a parmi vous des personnes qui ont déjà démarré leur carrière pro et qui souhaitent développer des compétences complémentaires, il y a aussi la possibilité de suivre d'autres formations pour des profils un petit peu plus aguerris, donc des MBA, des PhD, etc. Donc, en tout cas, il y a un large panel de formations qui sont proposées pour vraiment accompagner le talent du post-bac jusqu'à l'évolution de sa carrière, tout au long de l'évolution de sa carrière. Donc, pour faire un petit focus sur les programmes et vous expliquer un petit peu ce qu'on propose, donc le programme ESDEM, alors ça ne parle peut-être pas comme ça quand on dit ESDEM. ESDEM, c'est une licence qu'on va proposer, donc une licence qui va être enseignée en français, une licence qui va être proposée donc aussi bien sur une spécialisation en droit privé qu'en économie-gestion. Un programme dont la particularité est d'inclure en son sein un cursus de prépa pour vous aider à préparer les concours d'intégration du programme grande école votre deuxième année. Donc ça, c'est ce qu'il y a pour le programme ESDEM. Vous avez également donc, le programme Global BBA, donc le bachelor, qui lui va être différent, un programme qui va être enseigné donc 100% en anglais dès la première année, donc c'est un programme post-bac, hein. Un programme reconnu par le ministère de l'Éducation, tout comme l'ESDEM, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Un programme donc enseigné en 4 ans, calqué sur le modèle des études à l'américaine, qui va vous permettre des immersions sur nos campus internationaux, donc soit sur le campus américain, soit sur le campus brésilien, soit aux États-Unis, soit en Afrique du Sud, pardon, ou en Chine. Au sein du programme Global BBA, vous aurez également la possibilité de partir sur nos universités partenaires, ce qui vous donnera en tout cas la possibilité d'obtenir des fois, dans certains cas, des doubles diplômes. Donc, ça peut être un double diplôme franco-américain, franco-brésilien, ou par exemple, si vous décidez d'aller sur notre université partenaire au Canada, ça peut être un diplôme reconnu en France et reconnu au Canada. Donc, voilà pour le programme Global BBA. Vous l'aurez remarqué, il y a un programme francophone
et un programme anglophone. Et ça, en fait, c'est la part, c'est pas la particularité, mais c'est aussi une des forces de Schema, c'est vraiment de vous proposer ce double choix-là, soit de vous intégrer vraiment sur un programme en français, si vous êtes plus à l'aise en français, ou si vous êtes un peu plus courageux, j'ai envie de vous dire, de vous lancer directement dans un programme enseigné 100% en anglais dès votre bac. Donc, sachez également que sur les Global BBA, nous proposons un large panel de spécialisations. Hein, donc vous avez plus de 13 spécialisations qui vont couvrir différents domaines dans le secteur du management, donc le domaine du luxe, le commerce international, la logistique, les finances, le digital. Et vous allez aussi avoir des matières en fait, avec des doubles cursus, des doubles compétences scientifiques et managériales, vu qu'on va proposer également donc, un programme en intelligence artificielle et un programme également donc, en management de l'environnement marin ou en ingénierie. D'accord, donc, grâce au BBA, vous aurez notamment la possibilité donc, d'avoir soit un cursus 100% managérial, soit une double compétence scientifique et managériale. Après votre bachelor, pour ceux qui ont déjà une licence à Dakar, vous aurez la possibilité d'intégrer donc nos différents masters, donc soit donc le Master of Science qui peut être suivi en 2 ans, donc soit vous suivez le 2-year MSc, soit vous suivez le 1-year MSc, qui va être un programme également enseigné 100% en anglais, avec une vingtaine de spécialisations qui sont proposées, hein, des spécialisations un peu comme dans la continuité de ce qui est proposé déjà donc en bachelor, commerce international, supply chain management, finance. Là, vous avez un large panel de programmes en finance. Donc là, vous allez avoir donc les programmes notamment en audit, en finance d'entreprise, en fintech. Vous avez aussi d'autres spécialisations qui sont proposées sur ces programmes-là, en commerce international. Voilà, il y a un large panel de spécialisations. La particularité de Master of Science, je dirais que c'est un programme en fait ultra spécialisation qui va vous donner un haut niveau de spécialisation dans le domaine que vous aurez choisi. Un programme qui va être enseigné 100% en anglais pour vous donner aussi encore une fois cette envergure-là à l'international et optimiser votre intégration du marché de l'emploi dans des milieux non francophones. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le suivi de nos programmes MSI, c'est que non seulement ça va vous permettre donc de valider un diplôme qui est visé par l'État, mais en plus de ça, au sein de ces programmes-là, donc notamment par exemple sur notre programme en management de projet, vous aurez la possibilité de préparer des certifications qui sont très demandées sur le secteur de l'emploi, voilà, sur le marché de l'emploi. Donc, vous allez passer par exemple la certification PMI qui est très demandée dans le secteur du management de projet. Et donc, vous sortez diplômé, mais déjà en plus avec une certification qui vous donne vraiment une grosse valeur ajoutée sur le marché de l'emploi. Donc, au sein de ce programme-là, vous avez aussi un stage à effectuer. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais sur les programmes undergraduate, enfin sur les programmes post-bac, pardon, vous avez également des stages à effectuer. Donc, quel que soit le cursus que vous allez choisir au sein de Schema Business School, vous avez cette dimension professionnelle avec un stage à effectuer qui va permettre réellement de vous délivrer une expérience que vous pourrez revaloriser au moment de votre intégration du marché de l'emploi. Donc voilà pour le programme Master of Science. Vous avez également donc nos programmes, donc le programme Master in Management, qui est le programme Grande École, qui est classé donc 12e par le Financial Times dans le monde, 6e en France par le Figaro, 5e par l'étudiant. Donc de toute façon, les classements ils varient hein, en fonction des institutions qui les font. Un programme qui garantit à nos étudiants une employabilité à 93%, donc après 4 mois après la diplomation. Un programme qui va vous permettre réellement d'avoir un cursus personnalisé parce que tout au sein de vos 2 années de master au sein du programme Grande École, vous aurez la possibilité donc de naviguer sur nos différents campus internationaux, donc français ou internationaux, hein, et de partir également sur nos universités partenaires étudier pendant 1 semestre ou 1 année complète. C'est un programme qui accueille 60% d'étudiants internationaux. Donc, encore une fois, vous ne serez pas perdu. Vous ne serez pas perdu, vous ne serez pas le seul non-français au sein de ces programmes-là. Un programme qui vous garantit aussi un large panel de double diplôme, de triple diplôme dans certains cas, ce qui va vous permettre, encore une fois, une meilleure insertion dans le monde professionnel, aussi bien en France qu'à l'international.
Pour terminer, donc, je vais vous parler donc les masters spécialisés. Les masters spécialisés qui sont réalisés en alternance chez nous, à Schema Business School, réalisés en alternance. Alors attention, l'alternance, généralement, on dit que c'est pas autorisé pour les étudiants internationaux primo-arrivants. À Schema Business School, vous pouvez le faire parce que vous avez la possibilité de suivre des stages alternés à Schema Business School. Donc, vous avez la possibilité. Nos entreprises partenaires, en tout cas, vous donnent la possibilité d'effectuer des stages alternés. Donc, c'est un programme qui peut être en alternance, mais qui est tout à fait finalement accessible à un étudiant primo-arrivant, parce que dans ce cas de figure, vous ferez un stage et le stage est tout à fait permis pour un étudiant primo-arrivant. Voilà, ce ne sera pas un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage qui, effectivement, ne sont pas permis pour les étudiants primo-arrivants, mais un contrat de stage alterné. Donc, les masters spécialisés de Schema vont être des programmes accessibles à Bac plus 4 uniquement, donc Bac plus 4 dans une moindre mesure ou Bac plus 5. Ce sont des programmes donc certifiés niveau 7 qui vous délivrent un niveau Bac plus 6, reconnu par la conférence des grandes écoles. C'est un programme qui est très professionnalisant, tout simplement, puisque c'est de l'alternance. Qui dit alternance, en fait, dit que vous allez suivre une formation à la fois théorique et à la fois professionnelle. Donc, par exemple, si vous suivez le programme en audit sur le campus parisien, vous allez faire une semaine de cours et trois semaines en entreprise. Vous allez mettre en pratique, en fait, ce que vous aurez appris tout au long des cours. Donc, ce qui est très intéressant sur ces programmes-là, c'est justement l'aspect professionnalisant qui va vraiment vous délivrer une réelle expérience sur une longue durée, du coup, et encore une fois, optimiser votre insertion sur le marché de l'emploi, vu que vous aurez justement une première expérience à valoriser. Donc, voilà ce qu'il en est pour les programmes master spécialisés. Quoi qu'il en soit, l'intégration donc à Schema Business School va se faire directement sur notre site internet. Elle va se faire donc sur dossier entretien de motivation. Donc, dans un premier temps, vous allez constituer un dossier en ligne sur notre site internet avec vos CV, vos lettres de motivation, votre dossier académique, donc c'est-à-dire vos relevés de notes, des lettres de recommandation, notamment pour les personnes qui postulent à un master. On peut vous demander également aussi, dans le cas du BBA par exemple, de fournir ce qu'on appelle un portfolio extrascolaire. Pour vous dire deux mots sur les critères de sélection à Schema Business School, effectivement, on ne va pas demander la même chose forcément à quelqu'un qui a un bac, à quelqu'un qui postule un programme post-bac. On ne va pas demander les mêmes choses à quelqu'un qui postule un programme post-bac et quelqu'un qui postule un master, c'est sûr. Mais ce qu'on souhaite, encore une fois, en fait, ce sont des étudiants qui adhèrent aux principes de Schema, aux valeurs de Schema, qui sont débrouillards, qui ont des idées, qui sont motivés et qui sont curieux. Voilà, qui sont curieux, qui sont tournés vers l'international. Donc, c'est aussi pour ça que ça peut être très intéressant pour vous de fournir un portfolio extrascolaire qui montre en fait que vous avez une ouverture aux choses, une ouverture au monde. Et voilà. Donc, l'admission se fait sur dossier entretien de motivation avec l'un des responsables du programme. Une fois que vous êtes admis, vous allez donc devoir vous inscrire chez nous en signant donc un contrat d'inscription et en payant un acompte d'inscription. Une fois que cela est fait, donc c'est moi qui vous accompagne dans toute votre recherche, enfin, votre démarche de visa. Je vous accompagne notamment par le biais de en vous redirigeant vers notre service housing qui va vous accompagner dans votre recherche de logement, parce que ça aussi c'est une étape très importante dans le cadre de votre demande de visa. Et une fois que tous ces éléments sont faits là, vous allez pouvoir donc déposer votre demande de visa et arriver en France. À votre arrivée, donc, vous avez tout ce qu'on appelle le schéma onboarding. Et le schéma onboarding, ça va être donc la plateforme, dans un premier temps, sur laquelle vous allez pouvoir échanger avec nos étudiants pour préparer votre arrivée en France. Et une fois arrivé en France, le schéma onboarding, ça va être notre équipe d'étudiants internationaux qui va venir vous accueillir à la rentrée pour vous montrer tout ce que vous devez savoir sur le campus, tous les bons plans, la CAF, vous guider dans votre process pour créer votre compte bancaire, etc., etc. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, tout au long du process, moi, je suis à vos côtés. Donc, je suis Annie Vignasounou. Vous avez mes coordonnées là. Si vous avez des questions, eh bien, on les prend juste après, je pense, avec le reste de l'équipe.
Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on a recueilli un certain nombre de questions qui concernera d'abord le groupe fixe qui n'ont pas développé, selon certains qui nous suivaient, la question en fait de la reconnaissance des accréditations, disons, de tout ce qui est certification qualité. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Je peux. Monsieur Méry, d'abord. Je peux le faire, Ousmane. Alors, donc, toutes nos écoles sont reconnues d'une part par l'État et les programmes, tous également, que ce soit au niveau licence comme au niveau master, sont soit certifiés pour 90% d'entre eux, certifiés niveau 5, 6 ou 7. On a aussi des programmes qui sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et deux programmes qui bénéficient en plus du grade de master. Et si je peux passer du coup un complément d'information par rapport à ce que disait ma collègue Anouilhi sur l'alternance. Alors, on a également des programmes en rythme alterné, mais ce n'est pas l'alternance parce que l'entreprise ne peut pas prendre en charge les frais de scolarité. Anouilhi, je... Mais est-ce que ces programmes-là, on est sur un statut étudiant? Pour ne pas induire en erreur les jeunes, ils ne peuvent pas signer un contrat pro, un contrat apprentissage pour leur première année en France qui ferait qu'ils seraient payés et que l'école prendrait en plus leur frais de scolarité en charge. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est en effet à partir de la seconde année. Et je pense que c'est commun à tous mes collègues ici présents. Mais est-ce que ces formations-là ouvrent droit à un statut étudiant? Alors, le statut, tous les jeunes de la première année ne peuvent avoir qu'un statut étudiant. En fait, il faudrait peut-être parler de pas d'alternance, mais de rythme alterné. Autant pour moi, c'est le rythme alterné, mais j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un stage alterné et pas alterné, de. Alterné, c'est ça. Pas d'alterné. Madame Azotte, pour ce qui est de la question des reconnaissances, des diplômes, est-ce que vous avez quelque chose à préciser? Oui, tout à fait. À Galileo Global Education, en fait, on a 53 titres certifiés. RNCP. Donc, la plupart de nos programmes ont des titres certifiés. On a également un diplôme d'État lié au DCG. Et puis après, en détail, Denis, tu veux rajouter quelque chose sur les programmes éthiques? Non, je voudrais rajouter deux ou trois choses en complément de ce qui peut être dit. Rapidement, s'il vous plaît. Absolument. Il y a effectivement, d'une part, la reconnaissance, on va dire académique, de telle ou telle formation. Ce qu'il faut bien intégrer pour les jeunes gens qui nous regardent, c'est que les 10 ans qui viennent sont des années de rupture technologique et que beaucoup de formations et d'entreprises sont en train de muter de façon extraordinairement rapide. Dans le fond, au-delà, bien sûr, il faut des reconnaissances académiques, IT, il y a toutes les reconnaissances que vous voulez en termes de reconnaissance par l'État et des choses comme ça. Mais il y a une autre chose que j'invite les étudiants à faire, c'est de taper le nom de l'école, puis des noms de métiers. Vous tapez, alors je vais prendre mon exemple, vous tapez éthique et marketing digital, éthique, data, éthique, développeur web, et vous allez voir des dizaines et des dizaines et des centaines de profils de gens dans LinkedIn qui ont fait tel ou tel établissement et quels postes ils ont après. Et dans le fond, il n'y a pas de meilleure pédagogie que la réalité. Et c'est là. On parlait tout à l'heure de l'alternant pour les primo-arrivants. Je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on doit être clair. Quel que soit le niveau académique, un étudiant africain, quel que soit son niveau, je dis bien, et on a nous beaucoup de gens qui ont déjà des M2 dans des belles universités africaines qui reviennent en France, ils ne peuvent pas travailler directement en alternance ou même en entreprise, pas seulement pour des questions académiques, pour des histoires de code, de compréhension des modes de fonctionnement des entreprises et des choses comme ça. Et de fait, dans la réalité, ils ne trouvent pas souvent au début de leur arrivée de stage. Et donc, il y a un vrai travail qui doit être fait par les écoles la première année de compatibilité entre les codes, les façons d'être, les façons de présenter son CV, les façons de faire des entretiens pour pouvoir être en situation qu'une entreprise vous trouve désirable. Et donc, on insiste beaucoup, nous, sur cette période de au-delà du niveau académique, au-delà de la compétence, tout l'enjeu de ces écoles, c'est l'employabilité, ce
soit sur le marché français, soit sur le marché international. Et il n'y a pas que la compétence qui fait qu'une entreprise à un moment choisit de travailler avec vous. Il y a des soft skills, il y a une façon d'être, il y a une façon d'intégrer les codes de l'entreprise du pays dans lequel vous êtes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui doit faire partie de l'accompagnement des premiers mois, des premières années que vous arrivez dans le pays. Vous pouvez avoir le plus beau diplôme du monde. S'il n'y a pas un moment une entreprise qui vous choisit, vous, personnellement, vous n'aurez pas le job. Or, notre enjeu à nous, et ce qu'on doit dire vis-à-vis des étudiants qui ont le choix d'aller étudier loin de leur famille, c'est que ce n'est pas évident, ce n'est pas au seul vu de vos notes académiques qu'une entreprise, je vais même dire que c'est un peu iconoclaste, les entreprises n'embauchent pas des étudiants. Ça n'existe pas, nulle part au monde. Les entreprises embauchent des jeunes gens qui sont impliqués dans leur métier et qui ont déjà une position professionnelle et qui ont une crédibilité professionnelle. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et donc, quel que soit le niveau d'accréditation, je pense que c'est ça qu'il faut regarder dans une école, c'est la réalité. Et donc, je vous invite vraiment, vous allez sur LinkedIn, vous tapez le nom de l'école, les noms de métiers, les noms de villes, et vous voyez ce que sont devenus les gens de cette école. Merci. Merci beaucoup. Madame Clarisse Issa, vous avez quelque chose à rajouter dans ce sens ? Concernant votre question sur les diplômes reconnus de l'école, bien sûr. Oui, le classement. Pardon ? Les diplômes reconnus, les classements. Oui. Alors, du coup, l'UM Normandie est classé dans le top 20 en France des écoles de commerce. Et on est dans le top 100 des universités dans le monde, notamment dans le QS ranking. Et pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes, donc on a la double accréditation à CSB et EQUIS. Ça, c'est important pour vous, les étudiants, car les accréditations, elles vous permettent d'avoir un diplôme reconnu aussi bien en France qu'à l'étranger. Et après, nos diplômes des programmes bachelor et PGE, c'est des diplômes visés, donc visé Bac plus 3 pour le bachelor et visé Bac plus 5 pour le PGE. D'accord. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, depuis 3 ans, nous subissons en fait les effets de la découverte du pétrole et du gaz. Donc, c'est des secteurs quand même qui sont assez novateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, des offres de formation qui seraient à même aujourd'hui de pouvoir couvrir les besoins dans ce sens, dans le domaine du secteur des hydrocarbures et miniers, par exemple? On commence par M. Ouad. Alors, dans le pétrole et le gaz, d'une manière très technique, non, parce que bon, il y a des écoles qui sont spécialisées, mais nous tous aussi, on est aujourd'hui une des écoles plutôt de management. Donc, en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans une philosophie d'hybridation où les compétences aussi, ce sont des doubles compétences. Bon, ceux qui travaillent dans le secteur auront aussi des besoins en termes de finances, en termes de management, en termes de ressources humaines. Et donc, du coup, ben, voilà, là, aujourd'hui, il y a plusieurs partenariats qui sont en train de se faire entre des écoles d'ingénieurs et des écoles de management et de commerce qui font qu'effectivement, nous pouvons prendre part dans ce dispositif-là, notamment pas forcément dans la partie technique, mais plutôt dans la partie plutôt dans une collaboration avec des écoles qui sont spécialisées, même dans le cadre d'un partenariat, même local en fait. Donc du coup, que ce soit l'ISC Paris ou mes autres homologues qui sont présents peuvent tout à fait proposer une offre de formation, mais dans le sens de l'hybridation plutôt, quoi, en fait, plutôt que dans une spécialisation. D'accord. Madame Azot? Oui, c'est pareil pour moi. Effectivement, on n'a pas d'école adaptée à ce type de profil, mais normalement, on peut proposer de l'encadrement, du management, ne serait-ce qu'en formant les plusieurs dans ce domaine-là. Il y en a toujours besoin, des personnes en charge de la finance et également des personnes dans le domaine des ressources humaines pour contribuer justement à ce secteur d'activité. Mais on n'a pas de formation adaptée à ça. Voilà. D'accord. Monsieur Chomel, Madame Issa?
De façon anecdotique, on a effectivement, nous, un étudiant qui travaille sur la réalité augmentée dans des industries pétrolières, mais c'est anecdotique, c'est-à-dire que dans toutes les industries, il y a des technologies aujourd'hui, des technologies de la communication, la data, la gestion de la data, on en a d'autres aussi qui travaillent dans le big data, dans ces choses-là. C'est de façon anecdotique, de même qu'il y a de la comptabilité chez les pétroliers. Hein. Mais on n'a pas d'école ou de filière dédiée à l'industrie pétrolière. Madame Agnovi. Alors, je vais rejoindre les réponses de mes collègues. Schema Business School, à ce jour, n'a pas de partenariat avec, n'a pas de formation purement dans le domaine minier ou pétrolier, mais effectivement, nous ne sommes pas fermés à un partenariat avec un établissement qui propose ce genre de formation. D'ailleurs, on reçoit effectivement beaucoup d'étudiants qui ont ce profil-là, donc dans le domaine minier, pétrolier, ingénierie dans ce sens, qui souhaitent plutôt développer des compétences complémentaires en management de projet ou des fois sur de la supply chain. Donc, c'est quelque chose, ce sont des profils qui viennent souvent. Rechercher ces compétences-là, ce qui est ma business school, oui, donc peut-être dans un futur, pourquoi pas mettre en place un partenariat avec un établissement qui propose ce genre de formation pour pouvoir leur délivrer cette double compétence en direct, d'autant plus que c'est quelque chose qui est déjà fait dans d'autres domaines, comme M. Chaumel l'a indiqué, ce qui est pas également, nous proposons une formation en intelligence artificielle, donc RMSI Artificial Intelligence for Business Transformation, donc un programme avec une double compétence et en partenariat avec l'école d'ingénieurs ESIA. Donc c'est quelque chose qui peut être fait effectivement sur le secteur minier et pétrolier. D'accord. Monsieur Méry ? Oui, alors je pense, pareil, je rejoins mes frères par rapport à ça, c'est pas notre cœur de métier. On est davantage dans les sciences de gestion et management. Mais après, voilà, c'est qu'on est étudiants aussi, nous aussi, qui sont à la recherche de double cursus, double compétences. On a le cas, du coup, avec l'agro-management ou même les métiers de l'environnement, qui ne sont pas du tout des écoles techniques chez nous, mais on est vraiment sur les sciences de gestion liées à ces thématiques d'environnement et d'agro-management. Donc, on peut également, par contre, ouais, en effet, accueillir des étudiants qui ont fait un cursus technique dans le minier et dans ces industries-là, en vue d'une double compétence, faire de la gestion de projet, du management d'équipe, de créer une structure dans le domaine. C'est possible, mais on n'est pas du tout sur la partie technique de cette formation. D'accord. Donc, je vais rester avec vous. Tout au début de votre présentation, vous avez parlé de programme de grandes écoles. Aujourd'hui, quels seraient les profils que vous ciblez idéalement par rapport à ce programme Grandes Écoles ? Question également qu'on va partager avec les autres débatteurs. Pour nous, alors nous, le programme Grandes Écoles, j'ai commencé dès la première année. On est une école avec, on a deux écoles qui ont des prépas intégrés. Ce n'est pas une école post-prépa, c'est une école en post-bac, où l'étudiant de la première année se plonge dans le main des sciences de gestion, afin de découvrir vraiment ce que c'est de pratiquer des stages dans le domaine et de partir étudier à l'étranger, pareil, dès les premières années. Donc, on cherche des jeunes qui savent déjà qu'ils veulent s'engager pour 5 ans d'études, parce que ce grade de master, il s'obtient au bout de 5 ans d'études, qui ont un projet professionnel assez clair, assez déterminé, avec des fonctions d'encadrement, des fonctions stratégiques, qui veulent avoir, au cours des 5 années de formation, une vision très, très transversale du monde dans l'entreprise, du monde d'une entreprise, et afin de savoir aussi comment eux veulent s'inscrire là-dedans. Donc, je dirais que c'est une formation pas généraliste, mais plutôt complète et globale dans les sciences de gestion sur les métiers d'entreprise qui inclut de l'international, qui inclut du stage, qui peut inclure de l'alternance à partir des années supérieures, qui inclut aussi des cursus qui seront, enfin des années d'études qui seront en anglais. Parce qu'autant les premières années sont en français avec des cours d'anglais et des séminaires de cours en anglais, mais la fin des cursus, les années 4 et 5, voire parfois 3 pour certains programmes, se font aussi intégralement en anglais. Donc, il faut aussi qu'il y ait une appétence pour les langues étrangères et pour une mobilité vers l'international. Et en termes d'attente pédagogique, c'est de bons profils, de profils moyens, mais motivés. Alors, la motivation, elle est commune à tous nos programmes, dans tous les cas, Ousmane. Mais c'est vrai qu'au terme de prérequis académiques, c'est davantage d'étudiants avec un meilleur niveau académique. Ça, on le voit au niveau des bulletins de notes de première de terminale et d'année supérieure.
parce que c'est des programmes qui sont plus exigeants académiquement, en effet. Donc, ce sont des étudiants qui sont de bons travailleurs, qui sont autonomes, qui savent travailler tout seuls, qui ne viennent pas forcément en cours juste pour découvrir une thématique, un sujet, mais qui ont déjà bossé un petit peu chez eux et qui viennent pour échanger avec les professeurs et aller au-delà même de la matière. Donc, ce qu'on retient comme le prérequis de base, c'est au bon profil avec de bons attendus pédagogiques. Tout à fait, exactement. Alors, il n'y aura pas de sélectivité, par exemple, sur une mention au bac ou des choses comme ça, parce que l'admission se fait avant l'obtention du bac. Se fait dès maintenant, si vous le souhaitez. Mais voilà, on vous dit étudiants qui ont des bons résultats dans l'ensemble de leur matière. 13 de moyenne, on va dire. Après, ça dépend des institutions d'où ils viennent. Mais voilà, 12, 13 de moyenne, voilà, par exemple. Ça va nous rassurer au niveau de l'admission. Quelqu'un qui a juste 10, c'est pas qu'on parle de lui, c'est juste qu'il risque d'avoir beaucoup de mal et malgré une forte motivation parfois, et ça ne sera pas forcément suffisant. Donc, on s'adresse même à des étudiants qui ont un niveau de travail, une capacité de travail plus importante. D'accord. Madame Azot. Denis veut répondre. Absolument. Alors, c'est bien comme ça, on ne va pas avoir les mêmes prérequis. Moi, oui. Je vais laisser tous les premiers de la classe aux autres écoles. Moi, je veux les geeks et les gamers. Voilà. Je veux les geeks et les gamers. La génération qui arrive là dans nos écoles est née en 2002-2003. Ils ont commencé à jouer à 8 ans avec Minecraft. Ensuite, ils ont joué à des MMORPG. Ils ont un apprentissage par la complexité. Et ils ont appris à travers les jeux vidéo à fonctionner dans des matrices fonctionnelles. C'est-à-dire que tous les jeux multijoueurs fonctionnent comme travaille aujourd'hui un projet web. Donc moi, c'est ces jeunes gens-là que je veux. Je veux les curieux. Je ne crois pas, mais pas une seconde, que quelqu'un à 17 ans a un projet professionnel. C'est okay, tabou dans nos écoles, c'est tu veux faire quoi quand tu seras. Voilà. C'est interdit, on n'a pas le droit de poser cette question chez nous. Par contre, moi, je veux les jeunes gens qui aiment leur ordinateur, aiment le futur, ont compris que le monde qui vient, et là, je suis très sérieux, le monde qui vient n'est pas le monde qu'on a connu. Le monde qui vient, si on empile les objets connectés, le big data, l'informatique pervasive, la blockchain, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, qui est en train d'arriver, et on le voit bien avec la gestion qu'on a tous et la façon dont nos structures, nos pays réagissent vis-à-vis de la pandémie, le monde qui vient, dans les 10 ans qui vient, va être radicalement métamorphosé par les technologies. Et ben moi, je veux les jeunes gens qui ont envie de construire ce monde-là. Et ce n'est pas les premiers de la classe. On n'est pas contre. Hein. Il y a plein de gens de très beaux lycées qui étudient à l'éthique. Mais surtout, quelqu'un qui nous dit « je me suis ennuyé à l'école », là, je dresse l'oreille, moi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de la punition perpétuelle, de jeunes gens qui, à 15 ans, s'ennuient à l'école et à qui on dit bah « non, ça ne va pas être possible, alors voilà. ». Or, il y a des pépites dans ces gens-là. De même que les technologies, c'est bien au-delà de l'informatique, et l'informatique, c'est bien au-delà des mathématiques. Voilà. Le lien entre mathématiques et informatique n'a juste rien à voir, c'est juste rien à voir. Il n'y a pas de causalité, et ça fait 20 ans qu'on forme les meilleurs devs de la place, donc je peux vous le dire avec de l'expérience. Voilà. Pour laisser le temps de réponse à tout le monde, moi, je veux les curieux, les geeks et ceux qui passent leur vie avec leur ordinateur. D'accord, merci beaucoup. Madame Agnovi, vous avez quelque chose à ajouter ? Pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure lors de la présentation. Effectivement, comme M. Chaumel l'a dit, on est très intéressé par des profils curieux, de personnes qui sont curieuses. Donc, c'est quelque chose qui est très important et que nous valorisons beaucoup, en fait, tout au long du processus de sélection à Schema Business School, notamment au niveau post-bac, parce qu'effectivement, comme M. Chaumel l'a dit, à 15 ans, à 16 ans, 17 ans, quand on vient d'avoir son bac, alors des fois, oui, il y en a qui ont une idée assez claire, assez arrêtée de ce qu'ils veulent faire, ils ont déjà des métiers, et puis il y en a d'autres qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire plus tard, mais ce n'est pas grave du tout. C'est l'essentiel, en fait, c'est de montrer justement qu'on a une ouverture aux choses, une ouverture au monde, qu'on est curieux, qu'on a une bonne culture générale. C'est quelque chose vraiment qui va être valorisé au sein des écoles de commerce et qui va être valorisé, en tout cas, notamment chez Schema. Merci, Madame Agnovi. Monsieur Wade. Moi, pareil, hein, je rejoins mes homologues. Donc, en fait, sur des critères, je pense que nous sommes tous alignés. Là, aujourd'hui, il y a deux critères de sélection, déjà par dossier, où on regarde les critères académiques, les prérequis,
un étudiant qui a le bac, qui rentre effectivement à un post-bac et puis une licence pour un master. Donc, ça, c'est les prérequis de base. Et après, il y a un entretien de motivation qui permet aussi d'approfondir sur le projet académique de l'école, sur le projet professionnel de l'école, sur ses motivations aussi. Et là, on incite aussi à, comment ça s'appelle, les étudiants, les lycéens, à pouvoir aussi se renseigner et de prendre le temps de se renseigner pour les écoles avant les entretiens, en fait, pour pouvoir en fait mettre en corrélation leur projet professionnel avec le projet de l'école. Se renseigner aussi sur l'école pour pouvoir savoir si l'école est totalement en phase avec son projet à la fois académique que professionnel. Et ça, c'est vraiment important. Et on n'est pas là non plus pour, voilà, pour faire des... mener l'entretien à Sarge ou à Piège, mais c'est plutôt voilà, se s'assurer que l'étudiant sera vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir ses études quand il sera en France. Et en fait, un étudiant qui est satisfait, qui est à l'aise, donc ça va satisfaire tout le monde. Et il n'y a rien de tel que de recruter un étudiant qui ne se sent pas à sa place. Ça va créer des difficultés au niveau de la promo, au niveau de l'équipe pédagogique et pour lui-même aussi par derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des écoles aujourd'hui ont mis en place une procédure complémentaire d'entretien d'admission pour pouvoir aussi vérifier qu'effectivement que l'entretien de motivation, le projet est vraiment en phase avec la pédagogie de l'école et avec le professionnel. Donc, c'est vraiment important d'insister dans ce sens-là. Après, bon, on a des profils qui sont divers et variés, en fait. Donc, bon, il y en a qui, aujourd'hui, ne vont pas avoir forcément d'excellents niveaux académiques et qui vont venir se révéler. Il y en a d'autres qui vont trouver une passion avec ce qu'ils vont faire et qui va, cette petite étincelle va se révéler. D'autres, en fait, c'est avec la pratique aussi, en lien avec aussi les stages alternés, voilà, qui vont faire que après l'expérience professionnelle va permettre aussi de pouvoir se densifier pour pouvoir aussi terminer en beauté tout le long de l'année, quoi. Donc, il n'y a pas que des critères académiques, même si c'est important. On va dire qu'il y a 50% de critères académiques et 50% aussi d'autres critères, notamment le projet et la motivation. Et ça, c'est important. C'est important. Et là, si je peux insister là-dessus, moi, j'ai été aussi à la place de nos étudiants. Moi, j'ai eu mon bac aussi au Sénégal. Je suis parti en France dans une des écoles qu'on est en train aussi de promouvoir aujourd'hui. Et donc, je sais qu'en fait, quelquefois, quand on est là, il y a un petit flou qui peut exister et on ne prend peut-être pas forcément le temps de bien se renseigner. Voilà, si j'ai des conseils à donner à mes frères et sœurs sénégalais, c'est de pouvoir se renseigner au niveau des écoles, se renseigner en fait au niveau du projet académique, au niveau du projet professionnel. Parce que chaque projet professionnel académique va correspondre à un type de cursus, à un type de pédagogie. Là, on parlait tout à l'heure je crois que c'est M. Chamel qui parlait d'une pédagogie par rapport au geek, par rapport à tout ça et tout. Donc ça correspond à un certain type de profil, à une certaine approche, à une certaine pédagogie qui va trouver écho à certains profils. Il y a d'autres profils qui vont être plus académiques. Ceux qui sont académiques vont peut-être plutôt être orientés dans les programmes, comme on l'a dit tout à l'heure, mes autres homologues, plutôt orientés dans tout ce qui est programme d'école. D'autres vont être plutôt dans une phase de professionnalisation où enfin, il y a des titres qui vont peut-être plus correspondre à leur aspiration. Donc voilà, tout est une question aussi de compatibilité. Mais pour le savoir, il faut prendre le temps de bien se renseigner. Et ça, malheureusement, ça peine souvent au niveau de nos frères et sœurs, quoi. C'est de prendre le temps vraiment de bien se renseigner et de trouver l'école qui vraiment correspond à son projet, à la fois académique et professionnel. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Là, c'était un peu le cœur par rapport à ça. Une question qui m'interpelle moi personnellement en tant que conseiller Campus France. Donc, la question d'un internaute. Est-ce qu'on peut faire la procédure Campus Art et Campus France? Bien sûr, c'est possible. Mais ce qui est important, si vous faites la procédure études en France et la procédure Campus Art, si vous avez une ou des acceptations, l'essentiel, c'est de faire un choix définitif. Et le choix définitif devra être soumis sur le compte Études France. Dans la partie « Je suis accepté »,
Voilà, vous allez juste dans le menu déroulant, acceptation, papier, reçu, hors application Études France, et vous suivez les consignes pour pouvoir insérer votre acceptation. Une dernière question avant un dernier tour de table pour le mot de la fin. Compte tenu de la crise sanitaire que nous subissons tous, la question qui revient le plus, c'est quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour accompagner les primo-arrivants? On commence par M. Wad. En ce moment, pour la plupart des écoles, il y a l'enseignement aussi à distance. Les étudiants sont aussi accompagnés. Il y a le service international qui est dédié. Il y a même un fonds qui souvent est mis en place pour accompagner les étudiants qui sont les plus démunis et qui ont des difficultés au niveau social. Et donc, il y a un suivi quasi personnalisé. Donc, du coup, il y a aussi des psychologues qui peuvent aussi intervenir pour pouvoir aussi voir si jamais il y a des étudiants qui sont en extrême difficulté, parce que c'est vrai que là aujourd'hui c'est pas forcément évident de pouvoir être jeune, être à l'étranger, être loin de ses parents et avoir à vivre cette situation qui est vraiment inédite. Et donc du coup on accorde quand même un œil très attentif au public, à nos étudiants en général, au public international qui va avoir plus de difficultés en termes de d'intégration. Et donc du coup on accompagne les étudiants dans tout ce qui est aussi recherche de stage. Il y a certains qui peuvent aussi de temps en temps repartir dans leur pays d'origine pour pouvoir aussi quelquefois faire des stages et revenir. Donc voilà, il y a vraiment les étudiants aussi internationaux qui étaient là un peu avant. Il y a un système de parrainage qui fait que voilà, il y a aussi un coaching et un accompagnement pour les plus arrivants pour leur permettre de vraiment mieux s'intégrer dans cet environnement un peu difficile. Et qu'est-ce qui sera privilégié, le téléenseignement, les cours en présentiel? Est-ce que vous avez prévu un mix en fonction de l'évolution de la crise sanitaire? Je pense que pour nous tous, en fait, on privilégie la formation en présentiel parce que ça apporte quand même beaucoup d'avantages. Il y a la vie en campus, il y a l'expérience apprenante qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants, il faut qu'ils soient aussi connectés à la culture, à certains multipotes et puis aux échanges, à tout ce qui fait la vie d'un campus. Donc ça, c'est dans le monde idéal. Maintenant, on est tous tenus au niveau des réglementations qui peuvent exister. Et quelquefois, l'État français a donné des décisions qui nous ont contraints à fermer les campus pendant des mois. Mais comme pour nous tous, je pense que là, on allie présentiel et distanciel. Et dans la mesure du possible, et quand on le peut, effectivement, il n'y a rien de tel que de vivre en présentiel, expérience apprenante dans la vie de campus. Et on espère que là, avec les vaccins aujourd'hui qui sont en train d'être accélérés, que d'ici la rentrée de septembre, on retrouvera cette vie normale-là et on sera amené aussi même à, comme nous tous, je pense, à faire même ces rencontres-là, pas forcément à distanciel, mais à sentir les personnes, à venir voir les parents. Je pense que là, aujourd'hui, tous mes homologues qui travaillent à l'international sont un peu, entre guillemets, malades de ne pas pouvoir se déplacer. Mais on s'adapte, quoi. On s'adapte aujourd'hui. On essaie de travailler différemment, mais quand même, le présentiel est quand même à privilégier, en tout cas pour moi. On n'entend pas, Ousmane? Le micro est fermé. Monsieur Méry. Oui. Nous, au niveau des écoles, au niveau de l'admission, vu que chez FIX, même avant le confinement, vu que tout se faisait déjà en distanciel, au niveau des entretiens et la gestion des dossiers, ça n'a pas été un grand changement pour nous, parce qu'on était déjà préparés malgré nous.
Après, je sais qu'au niveau de nos bureaux, certains ont fermé et puis maintenant, ils reçoivent sur rendez-vous comme ça pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde à la fois au bureau. Donc, on peut aujourd'hui recevoir nos futurs candidats et leurs familles en respectant des consignes strictes de sécurité au sein même de nos bureaux à l'étranger, au sein du bureau de Dakar en l'occurrence. Après, au niveau de nos étudiants, en fait, pour tout vous dire, en général, l'étudiant, lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, il nous contacte. Lorsqu'il ne trouve pas de banque partenaire, lorsqu'il trouve un logement, il nous contacte. Et là, en fait, malgré qu'on s'attende à ce qu'on soit très sollicité par les étudiants qui sont un petit peu perdus, en fait, les écoles, toutes nos écoles, en fait, ont joué le jeu entre les cours en ligne, dans un premier temps, des personnes dédiées des écoles pour accompagner les internationaux et un service d'entraide des étudiants. On a eu très, très peu d'étudiants qui se sont trouvés perdus, en fait, pour tout vous dire, en toute sincérité, avec ce confinement, avec ces cours en distanciel dans un premier temps. Aujourd'hui, tous nos cours sont présentiels. Alors, bien sûr, les écoles se sont adaptées hein, par rapport même au sens de circulation dans les couloirs, par rapport au gel partout, par rapport au fait qu'on puisse diviser les classes en plusieurs groupes pour s'assurer que les amphis ne sont pas remplis, mais se remplissent qu'à moitié. Et même toute la pédagogie au quotidien, tout est mis en œuvre aujourd'hui, et ça depuis même avant que l'État français n'impose ses conditions de fonctionnement aux écoles. Chez nous, tout est mis en œuvre pour que l'étudiant puisse suivre les cours en présentiel en toute sécurité. Et on a même encore des messages de parents qui nous appellent pour nous remercier parce que leur étudiant, au final, leur enfant, leur petit enfant, leur cher enfant, qu'ils craignaient beaucoup, au final, se débrouille très bien et est bien accompagné par l'école et ses camarades. Donc, par rapport aux mesures, nos écoles sont sur le pont et tout fonctionne très, très bien aujourd'hui. Merci, Monsieur Méry. Madame Azoté ? Oui, je crois que mon collègue veut répondre, Denis. Il est dans les écoles. Directeur d'une école, directement sur le terrain. Je suis surpris de ce que j'ai entendu. Moi, dans mon pays, on me dit que les campus sont fermés avec des jauges minimales. Soyons clairs, les choses ne reviendront jamais comme avant. Les choses ne reviendront jamais comme avant. C'est-à-dire qu'il y aura dans l'éducation supérieure un avant et un après. Et jamais on reviendra à des écoles qui seront pleinement en présentiel, et ça a ouvert une brèche et ça a fait gagner sans aucun doute 10 ou 15 ans sur l'hybridation des dispositifs. Et cette hybridation des dispositifs entre le présentiel et le distanciel, par exemple, on a nous accéléré énormément le dispositif de classe inversée, c'est-à-dire on donne les contenus aux étudiants qui les voient une première fois et ensuite ensemble on a gardé sur le campus tous les étudiants de travailler ensemble. Alors, c'est vrai que nos étudiants sont tous avec des bons équipements, puisque c'est ça qu'ils sont venus étudier, les nouvelles technologies. Du coup, il y a deux situations pour les internationaux. Ceux qui étaient déjà en France, donc étaient arrivés avant mars 2020, et puis tous ceux de l'année en cours, dont beaucoup étaient admis chez nous, mais n'ont pas pu avoir pour des raisons ou pour d'autres choses. Donc, pour la première fois depuis l'existence de l'école, on a quelques étudiants internationaux qui, dans un premier temps, en attendant que la situation s'assouplisse, ont commencé les programmes à distance depuis leur pays d'origine. Et d'une manière générale, parce qu'on n'aura peut-être pas de mot de la fin après, je voudrais juste dire une chose. Je pense qu'on gagne tous à avoir mes discours le plus réaliste possible. C'est difficile de quitter son pays, de quitter ses proches, de quitter sa famille pour aller étudier dans un pays autre. Et évidemment, vous imaginez bien, je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas bien. Je dis juste que pour prendre la mesure que c'est difficile, que c'est une épreuve, que c'est un endurcissement, que quoi que nous fassions tous pour accompagner ces choses-là, c'est un vrai choix et que ça doit demander un déterminisme particulier, personnel, très fort pour que ce soit une réussite. Et que c'est avant ça, tout ça, qu'il faut se demander. Monsieur Boinet disait très justement tout à l'heure, il faut prendre le temps de bien se dire, est-ce que c'est la bonne école? Est-ce que c'est les bonnes études que j'ai envie de faire? Mais je pense que c'est extrêmement important de se dire aussi, y compris avec les familles, est-ce que je suis prêt pour quitter ma famille, mes proches, pour aller loin, à 10 000 kilomètres de chez moi, traverser un hiver glacial et un épicier en bas de la maison qui ne vous dit toujours pas bonjour au bout de 6 mois. Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prête à ça?
Et évidemment que nous, on accueille et on a fait le choix et toujours de, voilà, éthique, c'est 1000 étudiants, on ne sera jamais plus. C'est des conditions très accompagnantes. On se connaît tous les uns les autres par nos noms, on sait qui on est. Mais même dans ces conditions-là, c'est difficile d'être loin de chez soi. Et bienvenue à ceux et à celles qui ont envie de le faire, mais c'est un parcours de vie. Voilà. Aller étudier loin de chez soi, c'est un parcours de vie et c'est une formation en soi. Il faut être prêt à ça. Il faut avoir cette lumière irraisonnable de dire, voilà, je suis prêt. D'accord. Merci, M. Chomel. J'ai besoin de dire ça. Merci, M. Chomel. Madame Agnovi, rapidement. Madame Azoté voulait juste rajouter une petite chose. Oui. Madame Azoté, vous voulez rajouter quelque chose? C'était juste pour compléter ce que vient de dire mon collègue Denis. Dire que, dans tous les cas, bien avant cette période pandémique, nous, Galiléo, dans nos écoles, dans le groupe Galiléo, on avait déjà des dispositifs adaptés pour les cours en distanciel. Donc, ça n'a pas vraiment changé grand-chose pour nous, si ce n'est de mettre en application ou de faire en sorte que tous nos étudiants puissent justement apprendre à avoir des cours à distance, parce que beaucoup d'étudiants internationaux, quand ils sont arrivés, c'est vrai que certains sont arrivés, hein, ils sont venus en France, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. On a fait en sorte quand même d'organiser une journée avec des étudiants pour qu'ils puissent quand même voir les intervenants et aussi quelques copains, parce que c'est tellement difficile d'arriver et de rester dans son petit studio et de ne pas pouvoir échanger avec les autres étudiants. On l'a fait quelques fois par semaine, ils y allaient une ou deux fois, bien sûr, évidemment, par groupe et avec des masques pour les aider quand même à rencontrer et à échanger avec d'autres étudiants. Et également, le SG Finance aussi a mis en place, le repas, 1 euro par jour. Je crois que le dispositif était là. Et donc, nos étudiants pouvaient venir à l'école et pour 1 euro, ils avaient un repas complet pour les aider un petit peu, ne serait-ce que pour ceux qui sont là et qui n'ont pas de famille, pour les aider à avoir du monde. Ils sont là pour étudier, mais avant tout, il faut aussi apporter le côté humain et on est là pour ça. Et Ismaël le disait tout à l'heure, moi-même, je suis venue étudier ici. Je ne suis pas née en France, moi, je suis originaire du Bénin. Je suis venue étudier ici et je sais à quel point c'est difficile pour un étudiant international qui n'a jamais mis les pieds en France, pour certains, d'arriver et de s'intégrer tout de suite. Et alors, quand on arrive et puis qu'en plus, on est en confinement et qu'il faut prendre des cours à distance, c'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça qu'on a redoublé d'efforts pour les accompagner. Et toutes les écoles, je pense qu'ils ont fait la même chose. On est tous en train de dire la même chose. On a été obligés de faire en sorte de mettre des dispositifs en place pour vraiment les aider, pour pas qu'ils se sentent seuls. Ils ne sont pas isolés. On les accompagne, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à leur donner le visa pour qu'ils viennent. On est là, on est prêt. Le dispositif est prêt, on les accompagne. D'autant plus qu'on a vécu la même chose. Donc, on ne peut pas les laisser livrer à eux-mêmes. On les accompagne bien. Voilà. D'accord, c'est noté, Madame Azot. Madame Agnovi, rapidement. Je ne sais pas si ce que je vais avoir à dire va ajouter énormément par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Mais c'est vrai que l'an dernier, on est passé par une phase très, très compliquée, même s'il y avait déjà, pour la plupart d'entre nous, des process d'admission qui étaient déjà en ligne, des cours qui étaient déjà, des fois, certaines fois en hybride. Il a fallu tout repenser quand même, donc il a fallu se réadapter. Merci à toutes les équipes Campus Rome, parce que vous avez aussi été un soutien très fort. Pour nous permettre en tout cas d'accueillir en fait ces étudiants internationaux là, donc que ce soit Campus France Sénégal ou d'autres Campus France dans le monde, vous avez joué aussi un rôle très 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 important dans toute cette réadaptation là de nos process et puis les étudiants aussi. Enfin, quand Campus France joue le rôle, quand on a des étudiants qui malgré une pandémie qui implique qu'ils vont arriver en France, qui vont rester isolés, sont toujours déterminés à maintenir leur projet d'études en France, nous, on est obligés en fait, de mettre le nécessaire pour pouvoir les accueillir convenablement. On n'a pas d'autre choix que d'assurer notre promesse. Alors, c'est vrai, arriver, y a de très bonnes universités au Sénégal, mais arriver pour étudier en France, c'est aussi découvrir une nouvelle culture,
et s'enrichir en fait de cette découverte-là, s'enrichir aussi de nos différents établissements qui sont tous plus ou moins multiculturels à des niveaux plus ou moins différents, mais on offre tous justement ce mix-là. Arriver à être isolé, c'est ne pas pouvoir bénéficier de ça. On l'a fait à Schema, justement par le biais en maintenant peut-être des connexions virtuelles, mais on a tout fait en tout cas pour maintenir des connexions virtuelles de ces étudiants-là, pour leur permettre, en posant aussi l'accent par exemple sur les travaux en groupe, pour leur permettre d'avoir vraiment cette interaction-là, de continuer à se découvrir peut-être en respectant les gestes barrières, en respectant les mesures de distanciation, etc., mais leur permettre en tout cas de vivre réellement cette expérience-là qui est mienne. Alors, ils ne peuvent pas aller visiter la Tour Eiffel ou les autres monuments et découvrir un petit peu plus de la culture locale pour le moment, mais j'espère que ça viendra bientôt et qu'ils pourront le faire sur la deuxième partie de l'année. L'autre chose aussi qui, je pense, a pu être bénéfique pour une majorité d'écoles et pour Schema aussi, c'est qu'on a des rentrées décalées. Donc, ceux qui ont été plus frileux dans un premier temps n'ont pas intégré peut-être les établissements, n'ont pas mené le projet directement à la rentrée de septembre. Ils ont peut-être préféré attendre que les choses se calment, d'être un petit peu plus sûrs, d'avoir un petit peu plus de recul et nous rejoindre, par exemple, sur les rentrées de janvier. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui a pu être fait, les accompagner, en tout cas, être compréhensibles et être flexibles dans cela. Les organisations étudiantes, donc on a aussi une association d'étudiants internationaux qui est là, qui les parraine, qui les accueille, qui les guide. Je le disais tout à l'heure, les bons plans, où aller faire ses courses, ceux qui ne parlent pas français, qui cherchent un médecin, les aider à les accompagner à trouver le médecin anglophone qui pourra les suivre. Et puis, la dernière chose que je pourrais dire qui a été mise en place aussi, qui a été mise en place à Schema, mais que je suis sûre certainement d'autres établissements l'ont fait, c'est on a mis un point aussi d'honneur à la santé mentale, parce que même si beaucoup de choses ont été mises en place virtuellement, certains étudiants aussi ont pu venir étudier en présentiel, hein, sous forme de petits groupes de temps en temps, c'était de mettre en place aussi un suivi. Donc, à Schema Business School, ils ont un numéro qu'ils peuvent contacter quand ça ne va vraiment pas du tout, qu'ils sont beaucoup plus, beaucoup trop isolés pour rompre l'isolement et les accompagner. Ils ont en tout cas un petit accompagnement psychologique qui est dédié. Et je sais aussi qu'il y a certains directeurs de programme, certains responsables d'admission comme moi, on a organisé de temps en temps des petits apéros pour leur permettre de se retrouver, des apéros virtuels, des événements virtuels en marge, en tout cas des cours, pour leur permettre de se reconnecter et d'avoir vraiment cette connexion-là, qu'ils ne soient pas isolés le soir après les cours, tout seuls à la maison. Voilà. Merci, alors, madame. Tout est mis en place, en tout cas, pour vous accompagner, parce que vous êtes déterminés à venir chez nous. Donc, nous, on est déterminés à faire de cette expérience-là une expérience hybride différente et belle. Merci, madame Agnoubi. Un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent via les plateformes, les futurs candidats. Si vous avez un projet de mobilité, la première des choses à faire, c'est de vous poser les bonnes questions. Vous avez une idée d'une formation, renseignez-vous sur la formation, renseignez-vous également sur la nature des diplômes délivrés, sur la cohérence de la formation que vous voulez faire par rapport à vos attentes et objectifs professionnels. Et surtout, évitez de passer par des officines qui vous vendent très souvent du rêve. Très souvent, nous sommes confrontés à des profils de candidats atypiques dont le projet développé à l'entretien est totalement différent du contenu de la formation qui a été proposée. Donc, attirez un peu l'attention sur les officines qui sont sur place, qui vous délivrent des prescriptions opportunistes pour des formations sans aucune valeur ajoutée et qui, au finish, risqueraient, par exemple, de se solder avec un refus de visa. Merci beaucoup pour tous ces moments d'échange. Au nom de toute l'équipe de Campus France, je vous en remercie. Et donne rendez-vous à nos futurs candidats pour le prochain webinaire qui se tiendra le vendredi 30 avril à partir de 12h heure sénégalaise. Merci beaucoup et excellente journée à vous. À bientôt, bonne journée. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci à vous.